Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour notre soirée roleplay sur The Witcher Wild Hunt, session quête secondaire. En fait, on a terminé les quêtes secondaires qui nous restent encore. Je ne sais même plus où est-ce qu'on en est, bref, on va laisser Jaskin nous le rappeler. Hein. Quête secondaire, exploration à Skellige. Et ben, si les choses nous le permettent, eh bien, on pourra poursuivre la quête principale. Voilà. J'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien, vous êtes prêtes? Vous avez mis un bon petit plaid sur vous, vous avez mis le feu de la cheminée. Hein? Parce qu'on cible les aventures du petit Geralt Tounet. Allez, c'est parti! Sa longue quête amena Geralt à conclure Kuma, l'homme le plus laid du monde. Omin Kuma! Était la clé pour retrouver Ciri. Ah, on a encore paumé le téléphone. Il a une beauté propre. Voilà, voilà. Voilà. L'incarnation d'un leader, où est-ce qu'on en était du coup? Alors on avait fini une quête par là. Avec le fameux loup-garou, oui, souvenez-vous. On avait fait une quête où il y avait un loup-garou et divers autres créatures qui se tapaient dessus. Enfin qui voulaient nous taper. Et qu'est-ce qu'il nous reste encore en quête secondaire par ici? Au cours de nos sessions en quête secondaire, on avait pas mal de quêtes secondaires. Il reste encore en termes de quête secondaire, si on le souhaite, du côté d'Unvik. Il est 22h30 et nous commençons. Et oui, elle est pas belle la vie. C'est ballot. J'en suis navré pour le coup. Alors, il nous reste encore quelques petites quêtes secondaires à faire si on le souhaite. Bon, des chasses au trésor, mais ça on les fera plus tard quand on aura envie de se détendre. Contrat de sorceleur, il nous reste encore juste un contrat de sorceleur, bête étrange. Sur LinkedIn d'Archeval. Et. Ouais, des quêtes secondaires, il nous reste encore une sacrée flopée. Hein. Des quêtes qui se font à plusieurs endroits différentes. Alors qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on voulait qu'on fasse la quête principale ou qu'on poursuive des quêtes secondaires et l'exploration ce soir? Dites-moi tout. C'est vous qui choisissez, vous me dites. Est-ce que vous préférez les quêtes secondaires et l'exploration ou bien la quête principale? Et on s'y lancera. Fais la principale pour avancer un peu au niveau de Gulk. Vous voulez qu'on fasse la quête principale? Ok, très bien. Donc on va se lancer sur la quête principale. Alors, les chers amis, quête principale, on va du coup ranger nos contrats. Voilà. Voilà. L'incarnation de la laideur, à Kermoren. Au village de Perchefreux, les hommes du baron avaient réduit le pauvre Uma au rôle du bouffon pour s'amuser à ses dépens. Geralt décida qu'il était temps de mettre un terme à cette farce et d'emmener la misérable créature loin de Velen pour lever avec l'aide de Yennefer sa terrible malédiction. Et c'est parti, ça nous amène. Ça nous amène normalement, carte du monde. Donc on va quitter les archipels de Skellige, on n'a plus rien à y faire. Et on va s'en aller du côté de Velen, les terres désolées. Allez, en avant. On va trouver un point de téléportation, hein, monsieur Zulu. C'est le point le plus proche. La distillerie. Oh, bah, super. Je préférerais qu'on prenne un coin où il y a un bateau. Ce serait mieux, quand même. Hop là, c'est parti. Tu pourras toujours revenir sur les secondaires plus tard, hein, avant de revenir sur ce qu'elle dit. Oui, tout à fait, hein, tout à fait. Ah oui, non, en fait, oui, t'as raison de me dire ça, parce que peut-être qu'on aurait pu très bien ne plus pouvoir revenir, oui. Bon, on peut grimper par là pour s'en aller. Ben, on peut grimper par où? On veut sortir, laissez-nous sortir. Est-ce qu'on a les bras assez longs? Oui, ah, super. Je m'en vais par la forêt, la 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 la. De l'herbe. Hein? Qu'ai-je entendu? J'ai rien entendu! Y'a personne, y'a personne, y'a personne. Pom pom! Oh oh! On part les bois et les forêts! Hein? Bon pom pom, rapplique! Ah la ablette! Bon, c'est superbe, hein, par beau temps quand il fait beau. Non, non, n'abat pas le cheval, hein. Il n'a rien fait. Et on va vers le port. On va prendre un bateau. Oh, des courses de cheval. Ah, quelle puanteur. C'est quoi ça? Un paysan? Qu'est-ce que j'allais taper un paysan? D'accord. Voyons, oh, il sait se battre. Aïe, ça pique! Oh! Oh, ça devait faire mal! Hop là, prums!
Allez, hop. Et on a fait sauter des têtes. Voilà, parfait. Je sais pas ce qu'ils faisaient là-bas. Je ne sais point ce qu'ils faisaient ici. Des choses sales, certainement. Mais non, je vais pas me téléporter au poteau. Je veux quelque chose de plus... Oh, si on se téléporte au poteau, bisous. Hein. Allez, hop, voyage rapide. Ça va, c'est propre, vous voyez tout ce qu'il faut. Vous me dites hein, si c'est pas propre. Alors, Valen, terre désolée, il faut aller où? Donc on va revenir... Ah, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu. Eh ben, il faut revenir à l'endroit où s'habitait autrefois le baron sanglant. Allez, hop. Sa longue quête amena Gérald à conclure Kuma, l'homme le plus laid du monde. Vous redoutez, Jaskin. D'une malédiction, était la clé pour retrouver Ciri. Ah, on va pouvoir enfin découvrir la suite de... La suite de cette chose. Je suis encore tout vierge. C'est nickel. Ah, merci beaucoup. Ah, bonjour. Vous avez le feu au bâton. Oh, c'est superbe. Ouh, je suis tout excité. On va en apprendre plus sur la suite, hein, la suite de l'aventure. Perchefreux, bienvenue à Perchefreux. Quoi, vous voulez qu'on fasse de la vente? Bonjour Anselme. Vous ne me remettez pas, maître sorceleur? Vous avez eu la bonté de nous sauver, mon associé et moi-même, des gardes que j'avais embauchés. Ah! Je me souviens pas. Ah, oui. Je me souviens maintenant. Non, pas du tout. Vous êtes arrivés sains et saufs? Oui, et qui plus est, nous avons eu la surprise de faire d'excellentes affaires. Ah bah si tu le dis. J'ai de belles choses, si cela vous intéresse. Avec une solide ristourne, bien entendu. Vous le valez bien. Ah oui, parce que je le vois bien. Mais voyons un peu. On a sauvé ce... Ah oui, oui. Vous avez en magasin. Je me souviens de lui. On l'a sauvé. Allez, hop. Ah, il a que ça en magasin. Dis donc, c'est pas des masses, hein. Cinquième essence, hein, un ingrédient alchimique. Alors. On va te vendre des biens. Vendre des biens. Alors ça, je le garde. Ah, du cuir usé. Grand fou. Hop. Qu'est-ce qu'on peut vendre là-dedans? Des choses pas intéressantes comme des petites chemises légères. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas de level. Bottes en peau de Necker? Ah ben quand même. Mais on n'a pas de level, plus tard. Quand on aura le level. Épaisse qui est déjrouillée, oui c'est ça, oui. Hop, on va le ruiner. Autant que faire se peut. Étoile des jours. Nuage d'encens, c'est pendant qu'on y est. Des clous, allez hop, on voit les clous. Des petites choses mineures, ça on peut, je pense. Machin hein. De Tchernobog, bidulbi. Oh, il y a tellement de runes qu'on peut lui revendre. Toutes les runes inférieures, hop, on va les revendre. Ah, et c'est bon, les pauvres. Oh, le super. Adieu. Adieu. Voilà. Je veux dire. Ok, notre marchand à côté. Il est où? Il fait dodo, bon, on laisse tranquille. Allez, fonçons. J'ai une petite question, Mina. Vas-y, Anakin, je t'en prie. Bonjour! Ça a repopé? C'est bien, ça repope pas. Ah, je me serais pendu hein, si des choses repopaient au fur et à mesure. La 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 la, on y est presque. Mais juste avant, on va faire un tour par le marchand, hein, comme d'habitude. Bonjour marchand. Puis-je vous aider? Ah, si tu savais, grand fou. J'aimerais faire du commerce et réparer toutes tes armes. Je jetterai bien un coup d'œil à vos articles. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre comme armure? Cuirasse de Kedwen, on va la garder. Hop, ça l'allait bien. Ça l'allait mieux. Botte de condottière. Botte de Glusarmi, on va la revendre. Pantalon d'assassin. Apparemment, elle est bonne. Ça, on va le vendre. Oh, j'ai des petites bottes. De pisteur, on va vendre. De capitaine, on va vendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Armure lourde de Nilfgaardien. Cuirasse de Magdera. Hop là. Jacques d'Archer de Verden. Oh, non, on va vendre. Armure Nilfgaardienne, on va vendre aussi. On va les garder pour les changer un de ces jours. Tu peux nous expliquer le fait que Geralt a chevauché avec la chasse sauvage?
comment et quand et comment il a quitté la chasse. Ça, Anakin, je peux pas le dire maintenant, sinon ça va te spoiler la suite. Et je te rappelle que je n'ai pas joué la suite de The Witcher, donc si tu veux spoil, c'est ban direct, hein, ce serait dommage quand même. Mais le fait qu'il ait chevauché avec la chasse sauvage, moi je suis pas censé le savoir encore. J'ai des indices qui me... tout comme ce qui le lie à Cyrilla, de parler nouvelles et les romans, mais dans la mesure où j'ai encore jamais osé terminer The Witcher 3, je ne sais pas exactement... Je sais qui est la chasse sauvage, je sais de quelle nature elle est réellement, mais cette histoire-là n'est pas censée m'être révélée normalement. Par rapport à The Witcher 2, on n'a jamais rencontré la chasse sauvage dans The Witcher 2. Enfin, on n'a jamais chevauché avec la chasse sauvage dans The Witcher 2. À quel moment? Enfin, j'en ai pas le souvenir en tout cas. Perrune, Veil supérieure. Un escarabille, on va le vendre, bisous. Qu'est-ce qu'on a là? Et puis en argent, Mogrim. Hein, et lame lunaire. Oh, ça peut la vendre. Ça, on va la garder. Épée en argent, lunaire, avec des bons signes comme il faut. Ouh, ça m'intéresse. Je sais pas si t'as spoil, hein, parce que comme j'ai pas fini, je peux pas dire si t'as spoil ou pas, mais si c'était par rapport à quelque chose qui vient plus tard, hein, pour le coup, je ne peux pas savoir. On peut faire des choses en artisanat? Mais j'ai dû lire ça dans les livres, sûrement. Moi, ça, pour le coup, ça me dit rien. Après, c'est possible, hein, j'ai pas une mémoire extraordinaire, il est possible que ça m'ait complètement passé à côté, mais je m'en souviens plus. Ouh, des chances de faire de l'ordre. On garde cette épée. On garde cette épée. Commercer. Je veux commercer. Merci. Les nouveaux commerces. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Machin de Morana. Inférieur. Stribog. Zoraya, les dents de la mer. Hop. Inférieur aussi. Voilà, c'est bon, là, appauvri. Et nous, on s'est enrichi, hein, c'est merveilleux. Adieu. Au revoir. Ah, ça me dit rien du tout, Anakin, pour le coup, le fait qu'il ait chevauché avec la chasse sauvage. Faudrait que je relise, mais... Bon, on n'a rien à vendre, hein, soyons honnêtes. Allez, on y va. On va aller voir Uma Thurman. Ah oui, c'est le cas. C'est le cas d'aller relire les livres. Hein. Les écrits de Sapkowski. Et avec votre esprit. On va là-bas. Pour combattre le mal par le mal. On va s'arrêter au stand, hein. Bon, j'ai rien dit. Je vais mettre à l'abri les écussons, mais si jamais j'en ai besoin un jour de l'écusson du gardien. Bon, je me dis, on va peut-être le garder avec soi. Bonjour, sergent. J'aimerais vous parler. À quel sujet? Uma Thurman, je suis venu le chercher. Uma, je l'emmène avec moi. Faut demander la permission au baron. Le hic, c'est qu'il n'est pas là. Bah oui. Je ne demande rien du tout, j'annonce. Vous pouvez tenter de m'en empêcher. Non, c'est pas un bon plan, ça. Mais ce serait une regrettable erreur. La dernière. Vous croyez peut-être que j'ai peur de vous? Vous devriez. Très bien. Ah, un éclair de révélation. Diffusion de sang. Adressez-vous au palefrenier, il sera sûrement ravi de s'en débarrasser. Vu que le demeurer passe ses journées à l'écurie, à manger du picotin. Et bon vent à vous. Merci. Merci infiniment. Infiniment. Ça fait partie du langage de Geralt, ça. Merci infiniment. Bon. T'as la tranche de quelqu'un qui s'est aussi cuité hier soir. Non. Mais si vous m'invitez, oui. Alors moi, radin jusqu'au bout, hein. Eh hey, Blanchaille, tu pas faire de quoi contre 40 lames avec deux épées? Oui, et toi? Palefrenier, il est où là-bas? Ah non, pardon, le... Maître des écuries. Uma, viens avec moi. C'est pas comme ça que... Le sergent Ardal m'a donné son accord. Mais... Vous comptez le ramener ensuite? On s'ennuierait à crever sans lui. Ah, pauvre chou. Hors de mon chemin, vous trouvez un autre divertissement? Trouvez-vous un autre divertissement? Je ne sais pas, moi. Allez mettre du sel sur la queue des pigeons. C'est donc à ça que vous jouez, les sorceleurs? Ne m'obligez pas à vous montrer la variante des sorceleurs. Oui, non, peut-être pas. Ouvrez la porte, tout de suite. Oh, Geralt, quelle autorité. Ouf. Ah, ça nous a fait échouer des quêtes. Salut, petit. De fil en aiguille.
Ouf, on vous a pas raté, vous. Elle, c'est Ablette. Elle nous mènera à Kaer Morhen. Allez, approche. Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh. Arrête tes bêtises. Il est vraiment affreux. Merci, à plus Anakin. Il est vraiment affreux. Bah du coup ça nous a fait échouer une quête secondaire. Ça c'est Mulan, l'accouchement. Oh non. Non, c'est pas moi. Oh mon dieu, il est bien déformé. On a de la compagnie. Oh oh. Des Destri et Nif gardien. Qu'est-ce que vous me voulez ? L'empereur est mécontent de vous. Ah bon ? Dans ce cas, qu'il quémande l'aide de quelqu'un d'autre. L'empereur ne quémande rien à personne. Vous allez nous suivre jusqu'à Vizima. Vous en êtes sûr ? Ne tentez pas le diable. Très bien, on vous suit. Avec la... Oh, ils sont pénibles. Et on va retourner à Vizima. Ah, c'est embête d'avoir raté une quête du coup. À Vizima, 15 minutes. Et la troisième armée va déferler de l'ouest pour s'emparer de Ban Glen. Si vous me permettez, votre majesté impériale. D'après le rapport de nos espions, la garnison de Ban Glen comprend surtout des mercenaires. Ah, un peu d'argent, ça fera l'affaire. Corruptible, donc. Nous n'essuierons ainsi aucune perte au combat. Et nous ne subirons aucun contretemps. Fort bien, donnez les ordres, puis levez l'ancre. Oh, Yann. Sur le champ, Altesse. Votre Majesté impériale, il est fer. C'est affreux. Je ne vous ai pas convoqué pour échanger des politesses. Au rapport. On dirait qu'il fait un dab. Comme il vous sira, Majesté, je n'ai pas le droit de recevoir de vous. Pas d'échange de politesse. Parfait. Mais je ne suis ni votre soldat, ni votre page, ni votre chien. Alors épargnez-moi vos ordres. Vous préférez peut-être que j'en donne un à ma garde ? Un seul geste suffirait. Gérald. Au rapport. Ciri, eh bien, cet homme est la clé pour la retrouver. Oula, oui, ça a l'air compliqué. Je vous fournis trois pistes solides, fraîches comme la rosée du matin. L'aide de mes espions et de ma magicienne de cour. Et au lieu de ma fille, vous m'amenez ce monstre. On n'a pas fini le travail aussi. J'ose monsieur. Espérer que vous avez autre chose à dire. Je cherche une aiguille dans une botte de foin. Une aiguille qui, à tout moment... Une tâche difficile, j'en conviens. Et alors ? Écoutez-moi. Je dirige l'empire le plus vaste de l'histoire. C'est pas fou. En guerre contre le Nord, je suis à la tête de centaines de milliers d'hommes. Cependant que corporations marchandes et nobles font tout pour me jeter à bas. N'espérez aucune empathie de ma part eu égard à la difficulté de votre tâche. Bon, on va lui faire un rapport détaillé. J'ai suivi les pistes que vous m'aviez fournies. Ciri est réapparue aux îles de Skellige, en compagnie d'un mage elfe. Yen en sait plus. La chasse sauvage les a poursuivis jusque là-bas. Ils ont alors été contraints de fuir pour Velen. Où ils ont été séparés. Ciri a passé quelque temps auprès d'un seigneur de guerre local, un baron haut en couleur. Je connais mes vassaux. Il l'a aidé à rallier Novigrad, où Ciri a croisé quelques pontes de la pègre.
Obligée de fuir, elle a regagné Skellige. Là, elle est tombée sur son ami Elf. Et sur la chasse sauvage. Ciri et l'Elf ont pris la fuite. Par la mer, cette fois. Quand leur navire a touché terre le lendemain, il n'y avait que lui à bord. Ces informations semblent bien vaines. Mais visiblement, vous n'avez pas chômé. Mais c'est ce qu'on essaie de vous dire, Votre Majesté impériale. Oh, merci enfin de reconnaître notre travail. Bon, ce monstre pourrait bien être votre fille. Ce monstre est peut-être votre fille. Son corps est le fruit d'une malédiction. Quelqu'un se cache à l'intérieur. Pouvez-vous lever cette malédiction? J'ai multiplié les recherches, les requêtes. Mais pour la lever, je dois apprendre les paroles prononcées pour la lancer. Et ça... Papel, Elaine, Ketmil Folly, Gledivh Torné, Abtenaid, Bundro Itne Yachus. Ben voilà, les paroles, c'est ça de Jaskier. Ciri lui en avait parlé. Voilà au moins une bonne surprise. Ah oui. Dame Yennefer, ma question demeure. Oui, je pense. Mais pour ça, je dois... Peu m'importe les détails. Geralt, le peu que vous avez accompli est supérieur aux résultats obtenus par mes espions. Je vous concède la moitié de la récompense promise. Vous aurez l'autre moitié quand vous m'aurez ramené ici. Ah oui! Ah bah oh, 2000 florins, merci, c'est gentil. 2000 couronnes. Alors, salut Stone, comment tu vas? Bonjour, bonjour. Salut, c'est où trouver une épée puissante contre les monstres, s'il te plaît? Tu en trouveras tout le long de ton périple. Il y en a un peu partout, si t'es vraiment pressé, va voir un marchand et achète une épée en argent. Tu en trouveras de très bonnes en fonction du niveau où tu es. Sache que dès que tu libéreras un prisonnier, dans un des points où il y a des bandits avec un prisonnier dedans, ce bandit sera un marchand qui te fera un bon prix sur des bonnes épées. Et lorsque tu libéreras des villages qui sont occupés par des monstres, eh bien, dans ces villages popperont des marchands qui te permettront d'avoir des items relativement uniques. Dans la mesure où je n'ai pas encore terminé The Witcher, ça fait un an que je le ponce depuis la base jusqu'au sommet, je n'ai pas encore une visibilité assez vaste pour savoir quelle est l'arme ultime de ce jeu, ni en cette d'armure, ni en cette d'arme d'acier, ni en cette d'arme d'argent. Achète une épée en argent de la bouche de Munin, je suis choqué. Bah oui. Pour The Witcher 1, je les connais, pour The Witcher 2, je les connais, mais là, pour le coup, The Witcher 3, comme j'essaie de le poncer moi-même sans regarder un seul guide, j'ai toujours pas fini. C'est vaste, hein, y a tellement d'heures de jeu. Je n'ai aucune intention de l'amener ici. Qu'il en soit ainsi. Là, il va falloir faire un choix. Peu importe les détails, Geralt. Le peu que vous avez accompli, c'est pas le résultat obtenu par mes espions. Je vous concède la moitié de la récompense, vers l'autre moitié quand vous m'aurez ramené Ciri. Qu'il en soit ainsi. Ou je n'ai aucune intention de l'amener ici. Je ne sais pas trop. Ceci mérite réflexion. Bon, on pourra toujours se parjurer plus tard. Enfin bon, Geralt qui se parjure. Bon allez, qu'il en soit ainsi. Non mais je dois tuer le chart dans la grotte, mais j'ai eu une épée assez puissante. Lequel de chart? Parce qu'il y en a quand même plein de chart. Si c'est lui auquel je pense... Alors, faut savoir que The Witcher, notamment The Witcher 1, même si c'est beaucoup moins vrai que The Witcher 3, les The Witcher, les sorceleurs sont des personnages qui ont des aptitudes à l'épée, mais également aux potions et à la magie de base. Quand tu veux abattre une créature, il faut bien que tu penses que The Witcher, c'est pas un jeu bourrin où c'est uniquement un guerrier avec une épée. Si tu penses uniquement que ça, tu n'arriveras jamais à battre les monstres. Bon, dans The Witcher 3, c'est un peu moins vrai, parce qu'une fois qu'on finit le jeu, rien qu'avec son épée, on peut bousiller tout, mais tout ce qui traîne. Mais il faut que tu trouves les éléments parmi les ingrédients alchimiques que tu as pour créer les huiles qui permettront d'affaiblir le chart, ou d'avoir ton épée qui soit plus forte, qu'il fasse plus de dégâts au chart. Il faut également que tu trouves les signes auxquels est éventuellement sensible le chart. Et il faut ensuite que tu trouves éventuellement les bouquins qui concernent le chart pour que tu puisses connaître quelques petites astuces qui te permettraient de pouvoir le vaincre plus facilement. Et à partir de là, tu sauras exactement quoi faire. Par exemple, il y a des créatures sur lesquelles on sait qu'aucun signe ne fonctionne, il faut juste taper en bourrin, et il y a un pattern de 2-3 coups, on esquive les coups, mais on doit absolument mettre la protection, etc. Et j'ai revendu les deux épées du début, est-ce que j'ai mal fait? Alors mal fait, non, mais tu trouveras des épées tout au long du jeu. Dans le pire des cas, va voir un marchand, dépense un peu d'argent et tu auras de nouveau tes... Mais il faut savoir que les sorceleurs ont deux épées. Une épée d'argent pour les créatures, une épée d'acier pour les hommes, quand ils doivent se défendre.
Donc si tu veux réussir à abattre une créature, il faut que tu te renseignes d'abord sur la créature. Alors, va voir dans ton glossaire, réfléchis. C'est pas un jeu d'action, hein, The Witcher, c'est un jeu roleplay. Il faut faire beaucoup de lectures, étudier minutieusement ces créatures avant de les battre. The Witcher 1 était particulièrement vrai dans le genre. Bon, c'est moins vrai dans le 3, mais dans The Witcher 1, je peux te garantir que si tu voulais jouer qu'à l'épée, eh bien ton jeu, tu ne le terminais pas. Hein. Il faut vraiment... Merci pour le show d'ailleurs, Stone. Il faut vraiment que tu regardes dans le glossaire, que tu regardes l'onglet de charte, il y aura toutes les informations nécessaires pour savoir ses faiblesses. Après, tu vas le combattre une fois, tu vas te faire peut-être latter une fois, mais tu détermineras assez vite le pattern qu'a la créature. Bon, parce qu'après, là, on vient directement dans le jeu en lui-même. Chaque créature est codée avec une façon d'attaquer. Il faudra que tu étudies la façon dont il se déplace, combien de coups tu peux lui mettre avant qu'il une torgnole qui fasse mal, et que tu sautilles... Il y a des créatures, par exemple, je sais que si je tape 3 coups, je me ramasse une torgnole. Mais si je tape 2 coups et qu'après, je me déplace, mais il met une torgnole dans le vent, parce que je me suis déjà déplacé. Il faut que tu étudies. Hein. C'est pas un jeu d'action, c'est un jeu où il faut réfléchir. Il faut que tu étudies ta créature exactement comme un vrai sorceleur. Tu étudies ta créature pour pouvoir l'abattre avec plus d'aisance. C'est aussi con que ça. Mais je sais, mais les golems, je leur fais que 23 de dégâts. Ah, mais oui, bah, c'est... Que tu fasses, de toute façon, que tu fasses 1000 de dégâts ou 1 de dégâts, c'est pas un problème. Tu peux faire juste un dégât, c'est pas un problème. C'est juste ton combat, il va durer une demi-heure. Tu vas devoir faire montre de patience, mais jamais tu n'arriveras à avoir une créature que tu abattras en un coup. Hein. On est dans The Witcher, faut pas déconner. Non, je te rassure, Stone. Les créatures sont solides. Hein. Il faut que tu passes un quart d'heure entier. Moi, il m'est arrivé, alors avec le chart, par rapport au fils qui avait été enlevé, où j'ai dû aider le père, parce que son fils avait été enlevé, cette créature-là, il m'a fallu à peu près 20 minutes de combat. En rediff, les rediffs en témoignent, il a fallu à peu près 20-30 minutes de combat. Et après ces 20-30 minutes de combat, seulement j'ai réussi à battre la créature. Et sachant qu'il y avait deux phases, parce qu'à un moment donné, elle s'est barrée. Quoi. Mais c'est long. Après, tu peux laisser ta quête de côté, si jamais t'es vraiment pas à la hauteur, tu la laisses de côté. Tu continues ton jeu, tu vas monter en niveau, et après tu reviendras à ta quête et tu verras que tu arriveras mieux à battre ta créature. Alors attention, parce que si jamais tu veux... Et ça, c'est une particularité de Witcher 3 par rapport aux précédents opus. Si tu veux faire une quête dans laquelle tu vas abattre quelque chose, une créature ou un homme, et qu'il a une tête de mort au-dessus de lui, c'est que cette créature est hors level. Tu pourras lui mettre autant de coups d'épée que tu veux, sa barre de vie ne descendra pas. Ou alors tellement lentement qu'il te faudra un millier d'années. Dans quel cas, abandonne la quête, enfin je veux dire, barre-toi de la zone, laisse la quête de côté, suis ton chemin et continue. Dans 5 heures de jeu, tu pourras revenir, tu auras le level pour. C'est parce que t'as pas encore le level. Ça peut être aussi ça. Voilà, je t'ai donné tous les conseils que je pouvais te donner. Il n'y a pas vraiment plus de conseils que ça. T'as ça des fois, ben voilà, cherche pas. C'est que la quête est hors level. Il y a certaines quêtes qui sont faites pour augmenter l'expérience de jeu. Donc du coup, celles-là, elles sont faites pour que tu les fasses plus tard. Pour qu'une fois que t'as fini le jeu, t'as encore des trucs à faire. Voilà, c'est vraiment pour faire perdurer. Comme c'est le dernier jeu de la licence... c'est des projets que je veux faire par rapport aux The Witcher, du coup c'est des quêtes qui permettent de continuer un petit peu une fois qu'on a fini le jeu. Et il y a des quêtes qui sont tellement hors level qu'il faut vraiment avoir vraiment fini le jeu pour les terminer. Quoi. Et bien en discutant avec, grâce à la discussion qu'on a eu, Stone, en discutant avec toi, je crois que j'ai réussi à faire mon choix. Je vais répondre qu'il en soit ainsi, on lui ramènera Ciri. Merci Stone, tu m'as laissé le temps de réfléchir comme ça. D'accord. L'audience est ajournée. Oh bah, jusqu'à la prochaine fois. Quelle voix? L'empereur Emir Vnemraïs. Je vous fais pas mon beau speech sur l'Empire. Ouais, passez ta verve. J'avoue, j'aurais un peu bien aimé voir ton bagout à l'œuvre. Où s'est-il volatilisé? Tu avais tout de la novice d'Arethusa. Convoqué au bureau du doyen. Au moins, je sais quand dégainer ma fierté et quand la ravaler. Contrairement à d'autres que je connais. On a défi empereur. Je vois. Tu sors les griffes face au humble sorceleur, tandis que... Tu veux vraiment qu'on fasse ça maintenant, Gérald? Nous nous chamaillerons une autre fois, quand les murs n'auront pas d'oreilles. D'accord. Sinon, on n'est pas obligé de se chamailler. Alors... Comment lever la malédiction d'Uma? Il faut le conduire à Kaer Morhen. À ce propos, Gérald, désolé, mais je ne peux pas téléporter tout le monde. Alors... Ne t'en fais pas, on ira à cheval. Je n'ai jamais aimé la téléportation. Ah. Fais attention à toi.
Attends. Il secoue les orteils, il mange. C'est affreux. C'est sûrement préférable. Tu as raison. J'y vais. Au revoir, chérie. Même pas un baiser de au revoir. La requête amena Gérald à conclure Kuma, l'homme le plus laid du monde et victime d'une malédiction, était la clé pour retrouver Ciri. Déterminé à rompre le charme, Gérald conduisit Uma dans la demeure des plus éminents spécialistes en sortilège, la forteresse des sorceleurs, Kaer Morhen. Ah oui, on va à Kaer Morhen. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas allés. En effet, Stone. Pas mal. Une semaine plus tard. Oh là, au univers. Hop, un petit contrôle mental. Un fouinard si près de la forteresse. Ah, un fouinard. Il y a du relâchement. Kaer Morhen en Kedwen, du moins ce qu'il en reste de Kedwen. La partie qui n'est pas encore occupée par l'Empire et la partie qui est déjà occupée par la Redanie. La forteresse qui est le siège de l'école du chat pour les sorceleurs. De l'école du loup, pardon, j'ai n'importe quoi. On la connaît bien pour y avoir passé beaucoup de temps au cours de The Witcher 1. Eh bien, voilà une surprise. Ça fait longtemps, dis-moi. Oncle Zvezimir, notre maître et mentor. Trop longtemps. Qu'est-ce qu'il fait ? Et ton voyage, comment était-ce ? Calme, si l'on accepte le fouinard qui nous a survolé il y a quelques lieues. Mon passager a un peu paniqué. Qu'avons-nous là ? Déformités multiples. Yeux, oreilles, narines, un bec de lièvre, et ça là. Qu'est-ce qu'il arrive ? Oh là, du calme. Yennefer n'a pas exagéré. Pas beau à voir, le bestiau. Non, non. Stone qui me dit, quelqu'un le bébé moche. Il me dit quelqu'un le bébé moche. Qu'est-ce qu'il te dit, dans Stone? D'où vient cette crasse? Tu n'es guère présentable toi-même. Qu'as-tu fait pour être aussi sale? Hein? Ça, je préparais la chaux pour le mortier. Il faut consolider les murs avant qu'ils s'écroulent. Gros travail pour un seul homme. Lambert et Eskel ne veulent pas participer? Ils n'en voient pas l'intérêt? Non. Yennefer leur a trouvé des choses plus importantes à faire. Ah, elle est déjà arrivée? Yen est déjà arrivée. En grande pompe. Vous avez eu des mots? Gérald, je comprends qu'elle soit, comment dire, émancipée, forte femme. Mais les bonnes manières dans tout ça. Elle se téléporte et sans un ravi de te voir, elle me balance. Nous avons une malédiction à lever, il faut faire ci et ça. Alors au boulot, Eskel et Lambert. Là-dessus, elle va à la chambre d'amis pour s'installer, dit-elle, et jette le lit par la fenêtre. Quoi ? Elle a jeté le lit par la fenêtre ? Mais c'était un bon lit. Ah, tu penses que tu l'as déjà vu ? Dommage, c'était un bon lit. J'ai dit la même chose. Robuste sommier en chêne, matelas moelleux, Triss disait toujours qu'elle... Alors, simplement plus le descendre. Ah, je crois comprendre. Ou alors c'est juste que Yen est allergique aux chênes. Oui, c'est vrai, on s'est engueulé avant de quitter Vizima. Et que mijote Yen ? Aucune idée. Elle ne te l'a pas dit ? Elle nous a dit qu'elle avait une malédiction à lever. Mais pas comment elle compte faire, malgré nos questions. Mais c'est lourd, je trouve. Elle doit avoir ses raisons. Il y a sûrement une bonne raison. Oui, j'imagine. Quoi qu'il en soit, elle a pris sa décision. Et ne veut pas de nous dans ses pattes. Ah, les magiciennes. Elles n'ont pas changé. T'es sur PS4 pour mettre plein d'écran, s'il te plaît ? Non, non, je suis sur PC. Où est tout le monde ? Eskel est parti chasser le fouinard.
Ah, il faut les empêcher de proliférer. Oui, mais... Et comme Yennefer doit distiller des ingrédients tirés de leurs organes, d'une pierre deux coups, comme on dit. Lambert est dans nos murs, il se prépare à sillonner les montagnes pour recharger le phylactère de puissance élémentaire. Et Yen ? Elle assemble son mégascope. Elle voulait que je l'aide. Je l'ai vu chercher quelque chose flanqué d'un machin bruyant. Mais j'ai passé l'âge de ses âneries. Je devrais aller lui annoncer mon arrivée. Si tu le dis. Mais ne t'attends pas à ce qu'elle te saute au cou. Ah, elle a un peu remonté. Ah, Kaer Morhen, ça fait plaisir. Alors, l'incarnation de l'aider. Trouver Ascal et aidez-le à traquer le fenard, ok. Donc t'as des modes? Non. Quand on veut jouer à un jeu, on le joue sans DLC, sans mode, on le joue tout nu. Si on veut le découvrir. Sinon, ça vaut pas le coup, on découvre rien du tout. Les bons vieux principes de Permunin. Une fois que je maîtriserai le jeu en vanilla, je pourrai m'amuser à mettre les DLC, puis les mods. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Ah, une mode. Hop. Ah bah là, on peut piller librement, là, on est tranquille. Et la fiole. Ça. Youhou. Le cheval. On est déjà venu par ici. Proposer à Lambert d'aller voir le cercle des éléments, oui. Ah oui, on prend tout. De l'alcool. Tout ce qu'il faut. La cour supérieure. Ah, je me souviens quand on jouait à The Witcher 1. Il y avait une grosse créature qui avait pénétré la cour par là. On s'était barricadé dans la haute cour en faisant tomber le machin. Et c'est là-bas. Pile sur ces... là, il y a une baliste. Pile sur ce... à cet endroit-là qu'on avait appris à combattre à l'épée dans The Witcher 1 pour la première fois. Ah, je me souviens. Que de souvenirs. Que de souvenirs. Non, par contre, ça a vachement pris l'herbe hein, depuis. Bien sûr que non, je l'ai acheté légalement. Pas besoin de l'acheter légalement. Alors... c'est juste que les mods ça gâche le jeu car cette dernière n'a aucun sens, tout à fait. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ramasser. Note de Berengar et poussière d'émeraude. Je connais cette écriture. Ouh. Berengar. Ces papiers doivent être ici depuis des lustres. Oui, Berengar, on l'a croisé dans The Witcher 1. Fichu morceau de métal. Une semaine à suer avec le soufflet et la forge pour voir Thorin étinceler de mes mains. Et au premier coup d'entraînement, l'épée se brise en morceaux. J'ai dû faire une erreur dans la composition de l'alliage ou le refroidir trop vite après l'avoir forgé. Difficile à dire. Je crois que je n'ai plus qu'à recommencer. Mais pas ici. Parce que Vesemir me bassine déjà avec ses stupides perles de sagesse. J'aurais dû douter qu'en lui demandant conseil, je m'exposerais à des ennuis sans fin. Je me demande comment Geralt peut supporter ça sans devenir complètement fou. Tiens donc. Berengar forgeait une épée. L'épée de Berengar. Pas n'importe quelle épée, si j'en crois ses notes. Thor Hearn. Il mentionne Vesemir. Je devrais lui parler. Il pourra peut-être m'en dire plus. Ah, ben voilà, des quêtes à Kaer Morhen. La joie. Oui, non, je l'ai acheté. Ah oui, je l'ai acheté. Oui. Un jeu comme The Witcher mérite d'être acheté. Oh, il y a des coffres partout, mais c'est merveilleux. Bon, c'est juste pour ça. C'est pas grave, ça s'en revend à prix d'or. Des prix d'or. Ouh, les orins. Des orins. Oui. Par contre, ça tombe vraiment en ruine. Hein. Et depuis l'attaque, il y a quelques années de ça, qu'on avait vécu, ça tombe de plus en plus en ruine. Est-ce que vous pensez qu'on peut grimper là? Hein? Non. Oh, désolé, non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Dans une pipe en bois. Bon, là, si on saute, on se suicide. Hein. On fait un beau saut de l'ange, donc on va éviter. Mais oui, et oui. Je tiens la vie. Oh, c'est superbe. Oh, puis regardez-moi ça, c'est époustouflant, les paysages. Oh, je vais jouir de bonheur. Et on n'a pas regardé la région. Carte du monde. On voit un peu la région. Ouh, une nouvelle map. Une nouvelle map s'offre à nous. Eh ben, c'est formidable. Bon, tout n'est pas explorable, j'imagine. Oh, c'est formidable, on va pouvoir explorer la région de Kaer Morhen. Oh, je suis en joie. Je suis en joie. Ah bon sang, Kaer Morhen tout entier, toute la région de Kaer Morhen explorable. Ah, il pouvait pas faire meilleur cadeau pour le dernier The Witcher.
Là, je me souviens qu'on s'était battu ici, qu'on avait passé dans cet endroit. Ah, l'escalier est maintenant complètement effondré. Mais à l'époque, on pouvait y passer. Je m'en souviens. Des clous, des minerais, blablabla. Oh, c'est formidable. C'est super. Ah, je suis content. Ah, là, je suis comme un gamin. Là, j'ai de nouveau 18 ans. Oui, surtout la durée de vie est longue. Ah, vu complètement, carrément, Stone. Super, super longue. Et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, tu peux passer tout ton temps. Là, ça fait un an que j'y suis, quoi. J'essaie de faire toutes les quêtes tranquillement dans mon coin. Mais oh là là, ça met. On peut mettre du temps à tout faire, mais c'est vraiment top. Non, y a rien à piller. Hop là. J'ai que voir une paporte. Une paporte par là. Par contre, moi j'ai un sort qui est pas dispo à droite. Ah, t'as un sort qui n'est pas dispo à droite. Il y a un des sorts que. Hop, on va. Oups. Non plus. Non. T'as un de ces sorts que qui n'a pas de dispo, quoi. Parmi ceux-là, c'est étonnant. Avant de voir Ginette. Ça s'ouvre pas, c'est verrouillé. Verrouillé. La baliste, un petit coffre. Oh, un piège. Les pièges qui étaient apparus avec The Witcher 2. Le signe de Hard, tu ne l'as pas? Oh, c'est étonnant. Ça fait partie des sorts de base. Oh! Oh! Je viens de me faire un orgasme visuel. Ah, je viens de me faire un orgasme visuel. Ah bah, je suis content de pas être devenu aveugle un jour, juste pour voir ça, quoi. Oh, c'est formidable, regardez-moi ça. Ah, oh, c'est superbe. Ah, oh, c'est magnifique. Ah, oh, c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait faire à un passionné de The Witcher. Hop, que serait une pomme. Les bras m'en tombent. Pouk, pouk, hein, bah, je peux plus jouer. Oh, c'est superbe. Oh, c'est magnifique. Ah, une belle tour carrée. C'est cette tour-là que je voulais reproduire. Que je voulais reproduire à une époque. En maquette. Bon, il y a des herbes, hein, profitons-en, hein. Récoltons, hein, après tout, on est sorceleurs. Là, ça s'amène vers l'autre cour. Donc là, on est dans la haute, haute cour. Ah, bah c'est pulvérisé ici. Non, c'est vachement sécurisant, hein. La forteresse qui est éventrée. Comment on le débloque? Bah, tu l'as de base normalement, Stone. Tu l'as de base. Ces signes-là, tu les as de base. Je sais pas comment que ça se fait que tu les as pas, mais comme Diazel, c'est sûrement un bug, mais c'est vachement. Ça serait surprenant, quoi. Un bug pareil, signale-le à CD Projekt. À moins que tu n'as pas le jeu en version classique. Dans quel cas, ça peut expliquer d'éventuels bugs, mais. Ah, notre fameux lit. Elle a brisé le lit en chêne. Oh, un beau lit sculpté. Quel gourgandinasse quand même. Alors, grand chaman. Oh là 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 là. On fait le tour du donjon, hein. Des fois qu'il y a des coffres cachés, c'est des projets qui sont vraiment des pros, hein, pour planquer les trucs. Ah bah, ils ont fait de la culture ici. Ils n'ont pas de musée, mais il y a quand même de la culture. Montre-voir, tout ça. Oh! Voyez? Comme qu'on fait bien de fouiller un peu partout. Les guerres du Nord, mythes, mensonges et demi-vérités. Les guerres du Nord, mythes, mensonges et propagande. Traité historique par Restive de Montholon. Enfin, un livre qu'on n'a encore jamais lu. Formidable, il était grand temps quand même. Hein. On va le lire. Les guerres du Nord. La plupart des historiens imputent le procès, la condamnation et l'exécution de Joachim de Wette à la nature violente, cruelle et tyrannique de l'empereur Émir. Même si beaucoup d'auteurs, ayant une prédiction pour la prose sensationnaliste, avancent des hypothèses farfelues parlant de vengeance et de règlement de compte, et il est grand temps de dire la vérité, celle qui est l'évidence même depuis longtemps pour tous les érudits. Le duc de Wette dirigea le groupe Verdun avec une incompétence rare. C'est le moins qu'on puisse dire face à des hordes deux fois plus faibles que les siennes. Il retarda l'offensive au nord pour se concentrer sur les partisans de Verdun.
Le groupe Verdun se montra d'une cruauté sans précédent avec la population civile. La conséquence fut aussi prévisible qu'inévitable. Alors qu'à l'hiver, les insurgés n'étaient pas plus de 500, presque tout le pays avait pris les armes contre nous au printemps. Le roi Erville, qui était loyal envers l'Empire, parce que dès qu'il y a eu l'invasion, il a plié genoux et il s'est vassalisé. Il a été éjecté d'ailleurs lorsque l'Empire de Nilfgaard a été vaincu à la fin, enfin vaincu, lorsqu'il y a eu l'armistice entre le Nord et le Sud à la fin de la Seconde Guerre du Nord. Il n'y a pas vraiment eu de vaincu, parce que de toute façon le Nord était beaucoup trop exsangue pour reprendre l'offensive et envahir le Sud, après avoir défait les troupes. Et donc du coup, le roi Istrid, qui était loyal envers l'Empire, fut tué et son fils, le prince héritier Kistrin, qui avait sympathisé avec les Nordiens, fut couronné roi. Obligé de faire face aux pirates de Skellige sur ses flancs, à l'offensive des Nordiens de Sidaris devant lui et aux rebelles derrière lui, devait être s'enlisa dans une lutte chaotique et enchaîna les défaites. Cela lui pourrait faire de retarder l'offensive de l'armée centrale. Au lieu de figer les ailes des Nordiens comme il aurait dû, le groupe Verdun immobilisa Menno Keorn. Les Nordiens en profitèrent immédiatement pour lancer une contre-attaque qui lui permit de faire une percée et d'encercler Mayenna et Maribor en territoire témérien. Il réduisit ainsi à néant les chances de reprendre rapidement ses forteresses importantes. L'incompétence et la stupidité de Devette eurent ainsi des conséquences sur le moral. Le mythe de l'invincibilité de Nilfgaard s'était effondré. Des centaines de nouvelles recrues commencèrent à rejoindre les armées du Nord. Ah, passionnant. Un bon précis de l'histoire. Il manque plusieurs pages. Ah, il y a quelqu'un qui ne devait pas être d'accord avec l'histoire. On va prendre les escaliers, on va faire le tour des murailles, il doit y avoir des choses intéressantes. Et après on entrera dans le donjon. On aura fait le tour de la forteresse. La partie basse, on a déjà eu, on a déjà pu la visiter une époque. Hop, pâte à chimie, calca est, eau, kit de K2000, ça vieillit ça. Allez, monte. Ah oui, la forteresse est vraiment en train de tomber en ruine. Hein. C'était pas une blague. Oh là 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 là, c'est magnifique. Oh, une tour solitaire. Une tour de guet, une tour avancée. Ah, oh, c'est magnifique. Oh, c'est superbe. C'est vraiment superbe. Regardez-moi ça, je laisse savourer, c'est juste fantastique. C'est d'une beauté. Oh, c'est beau. C'est dans le DLC que tu débloques ? Non du tout, c'est l'aventure principale. C'est l'aventure principale. Alors, hop. Voilà. Je réglais juste un détail. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est des monts qui sont vraiment très abrupts. Hein. C'est les montagnes bleues. Un peu plus au sud, les montagnes bleues sont contrôlées par les derniers elfes qui restent, qui sont retranchés. Mais là, c'est dans le royaume qui est au sud de celui de Cadwen, anciennement le royaume des Dirnes, dans lequel sont retranchés les derniers elfes qui restent. Si Nilfgaard conquiert tout ça, il se peut qu'il libère les elfes, mais pas sûr. C'est quand même Nilfgaard. On ne sait pas vraiment quelles sont les intentions post-guerre de Nilfgaard si elle gagne la guerre. Donc on ne sait pas trop vraiment que choisir. Est-ce que c'est bien de choisir Nilfgaard ? Est-ce que c'est bien de choisir... Est-ce que c'est mieux de choisir l'Empire? Ou est-ce que c'est mieux de choisir le Royaume du Nord? On se rend compte que maintenant les Royaumes du Nord sont sous la coupe d'un seul roi, le roi de Redani, qui est devenu cinglé. Et ils sont le penchant raciste du Nord est en train de devenir une véritable politique. Ils sont en train de faire des purges. Du coup, entre des Nilfgaardiens autocrates et des rois du Nord pratiquement fascistes, que choisir entre les deux, quoi? Pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments pour se décider. Mais je pense que ça viendra. Mais c'est l'ancien parcours de course. Hein. Quand on courait contre notre cher Ciri. Eh oui, c'est exactement ça. Notre ancien parcours de course. Ça pique. On peut rentrer dans la tour. C'est verrouillé. Oh, c'est superbe. Oh, si t'as pas les DLC 100, c'est pas important, il y a juste une map, une zone sur la map auquel tu n'auras pas accès. Alors si on regarde la carte du monde, hop là, et qu'on regarde la carte de Novigrad, tu n'auras juste pas accès à tous les éléments qui sont dans cette zone-là. Outre ça, tu n'auras pas accès à une aventure qui est à part,
qui se déroule 3-4 royaumes plus au sud du royaume des Kedwen, le royaume de Toussaint, enfin le duché, mais qui est un duché autonome, hein, un peu comme Luxembourg qui est un grand duché, de Toussaint. Une aventure qui est à part. Mais tu vas rien perdre par rapport au contenu du jeu. Hein. C'est verrouillé. Allez, on va remonter. Maintenant qu'on a fouillé toute la zone, on va aller voir notre cher Yennefer. Il est 17h. On va prendre le goûter avec Yennefer. Voilà. Alors non, ce sont des DLC qu'il faut acheter, Stone. Ces DLC s'acquièrent en les achetant. C'est Blood and Wine et Heart of Stone. Voilà. Pénétrons le donjon. Prends possession de mon donjon, grand fou. Mais je suis pas déçu que Mass Effect se tombe en panne ce soir. Oh. C'est pas la première fois que nous y pénétrons. Hein. On a déjà connu ce donjon dans The Witcher 1. Kaer Morhen. À moi. La lune, t'as champion de Zima, tout ça, tout ça. Hop là. Oh, le gros chaudron. Et voilà la fameuse salle commune. Ça a pas changé, il y a la cheminée qui est par là, la table qui a pas bougé. Il y a rien qu'à changer, quoi. C'est formidable. Allez, on va piller. Il doit y avoir pas mal de choses à piller là-dedans. L'isolement des longs hivers suscite d'étranges visions. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est un panneau de nous en train de faire des choses. Alors, bon de voir. Des orins, des glyphes, on pille de tout, hein, allons-y, soyons fous. Personnellement. Hein. Donc c'est dans l'un des deux DLC que tu le débloques. Alors les zones que je t'ai décrites, ouais. Faune des royaumes du Nord, volume 1. Excellent! Ça va rajouter des bestioles dans notre bestiaire. On va enfin les connaître. Non, Geralt, calme-toi. Sauf si derrière il y a un trésor, évidemment. La chasse sauvage. Faune des royaumes du Nord, volume 1. Chronique rédanienne. Necronomicon, bon, ça c'est un easter egg. Hein. Clairement un easter egg. Hop, mais ma soirée avec un vampire. Ah, c'est mignon. Ma soirée avec un vampire. Il m'a sucé. Le sang, hein, on précise. Ah, de l'eau. De la water. Oh, yeah. Optima Mater. Oui. Ça, ça coûte une blinde. Et non, contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas une prière. Bon, j'ai oublié de piller un truc, mais c'est pas grave, on y reviendra. Du cuir usé, de l'alcool, des clous, oui, pourquoi pas. Bon, on s'en fout tant que ça se vend. Hein. On n'est plus à ça près. Oh, un râtelier d'épée. Je les prendrai bien toutes pour les revendre. Ah, oh, ils ont reproduit exactement même les bouts de roche qui sont tombés de... Ah, oh, c'est fantastique. Même ces cuisines. Oh oui, je me souviens, en The Witcher 1. On les traverse. Souvenez-vous, si vous vous souvenez pas, il y a encore les rediffs disponibles hein, sur ma YouTube, je fasse jamais rien. Ah, c'est... Ah, c'est formidable. C'est exactement la même chose. Oh, c'est magnifique. Dans quelques temps, quand j'en aurai, dans un ou deux ans, quand j'en aurai marre de faire des vidéos de gameplay, que j'aurai fait le tour de tous les jeux qui m'intéressent, ça sera vachement intéressant de reprendre les rediffs du 1 et du 2 et de faire les comparatifs de lieux. Ça serait... Ah, ça pourrait être rigolo, ça. Mais non, il vendra Kaer Morhen pour quelques orins. Ah non, si je vends Kaer Morhen, c'est pour une fortune, hein, faut pas déconner. Mais je les vends pierre par pierre, comme ça je ferai plus de bénéfices. La glosse cheminée. Oui, je me souviens ici. Oh oui, je me souviens. Ça doit mener vers des ruines elfes, il me semble. Quand on descend. On peut monter ou descendre. Oh, c'est merveilleux. Ça a pas changé. Monstrum ou la description d'un sorceleur. Qu'est-ce que ça?
Monstrum, la description d'un sorceleur, volume 2. Il est de notoriété publique que lorsqu'un sorceleur inflige des tourments, des souffrances ou la mort, il éprouve une joie et un plaisir qu'un homme normal et vertueux ne ressent qu'en accomplissant son devoir conjugal avec son épouse. Ibidem cum ejaculatio. Ah, c'est dégoûtant. Ceci démontre clairement que le sorceleur est, au plus profond de son être, une perversion de la nature. Une créature dégénérée et immorale, engendrée dans les profondeurs les plus sombres et fétides des enfers. Car seul un être semblable au diable peut tirer du plaisir de la souffrance et des tourments. Et nota. Le livre est une clé, les mines de le livre est une clé, les mines près de Kermorène. Oh, merci. Et Necronomicon. Voilà. C'est tout. Les notes indiquent comment ouvrir un passage dans la vieille mine. Ça peut valoir le coup d'aller y jeter un œil. Pourquoi pas. C'est parti. On n'est même pas fini. Et je me souviens de ce coin, oui. Ah, je m'en souviens très très bien. Ah bah, il n'y a plus grand chose à souvenir parce que c'est fermé. La bonne blague. Donc tu avoues que tu serais prêt à vendre Kermorène à ma grande honte. Oui. Mais pierre par pierre, en faisant un max de bénéfices. Hein. Faut pas déconner quand même. Bon, on revient dans la cuisine. On va remonter dans les nuages. Et je cours, et je cours, et je cours. Et je cours, et je cours, et je cours. Oh, vache! Oh, sang, mais quelle saloperie! Oh, oh. Bah alors, Yen, qu'est-ce qui t'arrive? Un maudit cristal. Tu es décidé à tout faire sauter? Désolé, Gérald. Mais je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Quel est le problème? Laisse-moi réfléchir. Est-ce à cause du troisième cristal qui explose? Ou d'une semaine écoulée sans que Lambert lève le petit doigt? Ou de Vézémir, qui s'entête à réparer le mur juste sous ma fenêtre en tapant comme un sourd dès l'aube, cependant qu'Esquelle semble partie aux champignons et non à la chasse aux fouenards? Nos hôtes ne sautent pas exactement de joie. Hmm? Pourquoi donc? Parce que tu refuses de dire ce que tu prépares. Tu les traites comme des larbins. Tu les tiens à l'écart. Ça vaut pour moi aussi, d'ailleurs. Je m'expliquerai en temps utile. Il faut d'abord en finir avec les préparatifs. Tu n'as pas confiance en nous? J'ai entendu le sort que tu as fait au lit. Ah oui, on va commencer par ça. J'ai appris pour le lit. Tu préfères donc dormir par terre? Je te le déconseille, ce sol en pierre est glacial. Honnêtement, je préfère dormir par terre plutôt qu'au milieu de cheveux roux. L'histoire avec Triss t'émeut tellement que tu te venges sur le mobilier? Tu préférerais que je me venge de façon plus directe? Gérald, sans vouloir jouer les mégères, il se trouve que tu as culbuté une très bonne amie à moi dans ce même lit. Alors oui, je sais, tu avais perdu la mémoire, etc. Oui. Alors disons que j'arrête de remettre ça sur le tapis si tu arrêtes avec ce foutu lit. Entendu? Oh, entendu. Elle est jalouse. Parfait. Oh, c'est mignon. Passons à des affaires plus urgentes. Tu ne nous fais pas confiance? Non. C'est même l'inverse que je redoute. Aussi préférerais-je garder certaines choses secrètes, du moins pour l'instant. C'est un peu tordu comme raisonnement. C'est l'impression que ça peut donner, mais tu comprendras le moment venu. D'accord, elle a une hypothèse un petit peu tordue et on risquerait d'en dissuader, quoi. Je suis censé faire quoi? Oui, et Geralt est prêt à la culpabilité à nouveau. Oui. Ah, aucun remords, hein, nous. Entendu. Que suis-je censé faire? Pour commencer, aider Esquelle et Lambert. L'un doit me dénicher du liquide céphalo-rachidien de Fouenard, l'autre recharger le phylactère de puissance élémentaire. Mais jusqu'ici, j'attends toujours. Très bien, j'irai leur parler. Autre chose? Oui, une autre broutille insignifiante. Quoi? Le lit? Tu l'as vu, mon mégascope réagit de façon très spectaculaire. Ah oui, oui. Je suis certaine que le dysfonctionnement des cristaux est dû à la proximité d'une source d'énergie. Il faut la trouver et la neutraliser, et vite. Que j'entre en contact avec quelqu'un de toute urgence. Qui souhaites-tu contacter? On se renseigne. Tu peux savoir qui tu souhaites contacter? Ou cela fait-il aussi partie du secret? Ça n'a rien de secret. Il s'agit d'Ida Eméan. Tu te souviens d'elle? Comment l'oublier? Membre de la loge et sage elfe. Tout juste, une sage. Comme le nom l'indique, elle est censée savoir beaucoup de choses. J'aimerais la consulter à propos d'Uma. Satisfait? Ouais. Ouais. Tes amies magiciennes, sages ou pas sages, m'ont déjà laissé choir. Et s'il le faut, tentons le coup. Si seulement tu t'étais montré aussi prudent avec toutes. Mais qu'importe.
Merci pour ta permission. on sentait une petite pointe quand même de... Alors, savoir que Kaer Morhen, contrairement à la map de The Witcher 1 ou 2 qu'on vous montre, ou même le 3, elle n'est pas du tout placée là où vous le pensez. Hein. D'après Sapkowski, donc l'écrivain qui est à la base de cette lore, Kaedwen se situe dans une chaîne de montagnes assez complexe. Hein. C'est entre plusieurs petites chaînes de montagnes, un endroit où se croisent deux grosses chaînes de montagnes. Les monts du Dragon, qui forment la frontière nord jusqu'à l'océan, et les monts Bleus, qui descendent en perpendiculaire au mont du Dragon, droit vers le sud, pour ne s'arrêter qu'à une légère passe bien des milles plus bas au niveau du Royaume du Sud. Enfin, anciennement le Royaume du Sud, parce que maintenant c'est l'Empire de Nilfgaard, depuis déjà quelques décennies. D'accord. D'où les montagnes. Comment trouver cette source? Sers-toi de ce potestat acquisiteur. Charmant outil. Potestat acquisiteur. En voilà un nom compliqué. C'est très simple, au contraire. Agrippe-le fermement, déplace-le, et plus il couine, plus tu es proche. Mmh. Épargne-moi ton humour puéril, s'il te plaît. Oh. Alors, tu attends quoi? Un petit sourire sur le visage de Geralt, c'était rigolo. Et l'expression de dégoût sur le visage de Yennefer. Ah, une dernière chose. Mmh. Merci, Geralt. Ah bah de rien. On rachète un lit? Non. Perturbation. Vous possédez un nouvel objet de quête. Équipez-le en plaçant un objet approprié de l'inventaire pour sélectionner l'emblème. Ok. Alors, cher inventaire. Je t'aime, inventaire, tu sais ça. Alors, dans notre inventaire, il nous faut... Dans mon inventaire, je mets... Objet de quête. C'est quoi ça? Monstre, d'accord, volume 2. Où est-ce que c'est ce machin? Ah bah elle nous l'a mis directement, il n'y a pas besoin de réfléchir. Fantastique. On va peut-être fouiller le... Disons, c'est devenu un entrepôt notre chambre. Elle a beaucoup changé notre chambre, je trouve, hein, personnellement. Ah oui, le lit aussi a beaucoup changé, je préférais le lit d'avant. Hein. Ah oui, elle a roulé les tapis. On peut lui reparler un petit peu? Gérald? On va les reparler un petit peu. Je veux parler du passé, de la chasse sauvage. Il t'arrive de penser au passé, quand tu étais avec la chasse? Parfois. Je m'étonne que nous ayons survécu. Ça ne ressemble pas à Eredin de laisser des témoins derrière lui. Il n'en a pas laissé. J'ai tout oublié lorsque j'ai quitté la chasse. Ah oui, donc on a effectivement chevauché avec la chasse. Ah oui, ta fameuse amnésie. Toi, tu n'en as pas souffert? Si, mais brièvement. Les bons soins des mages impériaux m'ont rapidement rendu la mémoire. Oh, que te souviens-tu du temps passé avec la chasse? Alors, on va en apprendre plus. Quand tu étais aux mains de la chasse, j'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Même si c'était le cas, je n'en garde aucun souvenir. Cette période se résume à une succession d'images floues, sang et flammes, pour se folle à travers les mondes, dans un voile de brume. Oh bah super! Mais je me rappelle ton arrivée lorsque tu as troqué ta vie contre la mienne. Je n'ai pas eu l'occasion de t'en remercier. À ma place, tu aurais fait la même chose. Ton assurance me touche. Mais tu ne m'as jamais dit comment tu leur avais échappé. Je n'en sais trop rien moi-même. Il me revient parfois des images de chevauchés entourés de cavaliers pourpres. Et sans transition, je me retrouve au pied de Kaer Morhen. C'est tout. Ah oui, on s'est fait poursuivre par la chasse dans le tout premier The Witcher 1. Et c'est là qu'on avait perdu la mémoire, on était ramené à Kaer Morhen. Vraiment, pas trop loin de Kaer Morhen, on s'est fait pourchasser. On court torche nu dans la cinématique de The Witcher 1. Que te voulait Eredin, au juste? La même chose qu'à toi. Tu ne t'en souviens pas? Je ne garde aucun souvenir de cette époque-là. Nous servions d'appât, Geralt. L'un et l'autre. Eredin était sûr que Ciri tenterait de nous sauver, et qu'ainsi, il la capturerait. Heureusement, elle n'est pas tombée dans le panneau. Et heureusement. Que s'est-il passé au Nilfgaard? Tu étais l'otage de l'Empereur. Comment es-tu devenu son allié? Un jour, la porte de ma cellule s'est ouverte. Et au lieu du geôlier habituel, j'ai vu entrer Emir. Il a promis de me relâcher et de me donner accès au trésor impérial. À condition que j'accède à sa demande. Oh! Il t'a alors parlé de Ciri et tu as accepté son offre. Pourquoi? Les circonstances créent parfois d'étranges alliances.
Je savais qu'il me fallait trouver Ciri avant Eredin. Et s'il existait un homme en mesure de m'y aider, c'était bien l'Empereur. En outre, toute chose égale par ailleurs, c'est son père. C'est pas faux. Pourquoi tu n'as pas cherché après moi ? Pourquoi ne pas être parti à ma recherche après avoir recouvré ta mémoire et ta liberté ? J'ai pensé que tu allais récupérer rapidement et me trouver le premier. Tu avais des mages pour t'aider, alors que moi j'étais seul. Pas tout à fait seul. Et puis je savais que tu avais échappé à la chasse. Eredin ne t'aurait jamais libéré. Il avait effacé ma mémoire, mais comme tu avais filé, il était possible qu'il n'ait pas eu le temps de le faire sur toi. Sans oublier tes mutations de sorceleur, je comptais sur elle pour t'éviter le pire. Oui. Ah, pour revenir à notre dernière conversation. Il reste un détail qui me chiffonne. Alors, on revient au dialogue principal. Notre rencontre avec le djinn, elle a eu des effets sur toi ? Ah oui ! Souvenez-vous quand on a eu notre romance dans un bateau, en haut d'une montagne. Oui. Alors, tu te sens différente depuis notre rencontre avec le djinn ? Oui, j'éprouve du regret. Ce qui veut dire ? Que je regrette qu'on ne l'ait pas fait plus tôt. Beaucoup plus tôt. Tu crois qu'on se serait moins disputé ? Au contraire. Mais les autres moments auraient aussi été plus intenses. Mais t'en vas pas. Bon, t'as cassé le lit, mais c'est pas grave, le sol c'est bien. Toute chose égale par ailleurs, nous dit Azels. Et j'aurais jamais cru entendre ça hors cours d'un mat. Hors cours de mat. Toute chose égale par ailleurs, bah oui. J'ai trouvé un objet qui t'appartient, je crois. Ah oui, on t'a trouvé un petit, un objet contondant, rond, un peu arrondi au bout, et assez long. Et qui vibre. J'ai trouvé un objet qui t'appartient, je crois. C'est une sorte de bijou. Ça ne te ressemble pas vraiment. C'est une arme. Une arme ? C'est nouveau, ça. Que veux-tu, Geralt ? J'ai changé. T'as changé ? Adieu. Merci, Yen. À plus tard. Voilà, on a bien discuté avec elle, on a gagné 50 points d'expérience pour avoir papoté avec elle. Vous voyez, c'est des projets qui récompensent quand même, hein, quand vous prenez la peine de vous intéresser à l'histoire et à ne pas rusher, vous gagnez plus vite de l'expérience. Hop. Toute chose égale par ailleurs, j'aime bien cette expression. Alors, nous voilà descendus. Bon, est-ce qu'il y a des choses à piller par là? Je découvre un truc. Voilà, pour une fiole vide, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Pour une fiole, avec toi. Je ferai n'importe quoi pour une fiole. Du cuir, de l'alcaest. Bon, il n'y a pas de marchand ici, donc on va faire le clown. Oui. Oh, non. Bois un coup. Allez, mange une pomme. Ça va te réduire la fracture. Oh là là, c'est formidable. Drôle d'ombre, hein, quand même. Exactement comme dans The Witcher 1. Oh, c'est fantastique. C'est juste ultra pompeux comme expression, mais bon. Ouais, c'est ultra pompeux, mais j'aime bien les expressions un peu désuètes comme ça, qui sortent vraiment de l'ordinaire, je trouve ça tellement, tellement exotique. Dis donc, la poutre à moitié tendue qui soutient une voûte qui est à moitié qui semble vouloir demander que se casser la figure, ça fait un peu peur quand même, hein, comme coin. Je trouve pas ça très rassurant, personnellement. Hein. Necronomicon, qu'on a déjà lu, évidemment. Oh, il y a des bibliothèques qui ne sont inconnues. Encore une maudite fuite. T'as des fuites ? Il existe des solutions, tu sais. Coucou Lambert. À quoi ça sert ? À faire des potions ? Non, de l'agneau, à base de pelure de patate. Pour célébrer mon retour ? Plutôt mon départ, à vrai dire. Tu n'as pas entendu ? Madame la sorcière exige que j'aille recharger le phylactère au cercle des éléments. Ce serait essentiel pour lever la malédiction qui pèse sur ton monstre. Ah, les fuites urinaires ? Eh oui. Eh oui, Azels, c'est des choses qui arrivent. Ce monstre pourra être Ciri. Ce monstre, comme tu dis. Tu te rends compte que ça pourrait être Ciri ? Ouais, je l'ai appris. Un peu d'empathie, ce serait trop demandé. J'appelle un chat un chat. Je suis comme je suis. Il n'a pas changé, ce Lambert, hein. Pénible ? C'est-à-dire pénible. Je croyais que tu avais un faible pour les peaux de vache. Les femmes uniquement. Dans ce cas, tu as choisi la meilleure de toutes. Assez parlé. Le cercle des éléments attend. Toujours aussi con, Berengar, en parlant poliment.
Ça n'a pas l'air de t'emballer. Ça n'a pas l'air de t'emballer. En effet, tu sais que le périple jusqu'au cercle n'est pas une partie de plaisir, à plus d'un titre. Laisse-moi t'accompagner. Ma foi, le fameux loup blanc à mes côtés, c'est la gloire assurée. Bien, tu es prêt ? J'ai une chose à faire et on y va après. J'ai quelque chose à finir, attends-moi. Entendu. Voilà, on a terminé d'explorer la zone. Nouvelle quête, l'épreuve finale. On ira voir Lambert Wilson. Il s'appelle pas Lambert Wilson. Hein. La table qui a pas changé. On y a dîné. Il y a longtemps. Dans un 8 sur 1. Tout ça pour choper une fiole. Et du cuir usé. Et quoi là-bas? Attends, tout un coffre pour Dalkaest. Ouh, ça m'intéresse, voyez. Sangle de cuir. Yennefer. Ouh, des nains qui étaient bien riches. Atlas, illustré des insectoïdes. On nous parle d'insectoïdes. Bah oui, en même temps, c'est. J'ai un peu de nœud, moi, sur les bancs. Hop, je vous ai épargné un éternuement. Allez, enflamme-moi ça. Ça, c'est pour monter à l'étage. J'ai pas fini! Et là, il y a Vézémir. On lui parlera plus tard. On aura des choses à lui demander plus tard, lui, à Vézémir. On a un coffre dans la salle. Pour ranger des choses. On n'a rien à ranger pour l'instant. Alors, cette fameuse salle. Nous y sommes pas encore passés. Un plateau en argent, super. C'est un bon début. Hein. Ouais, pour une fois qu'on a... Contrairement à The Witcher 1, on a le sens de sorceleur. Moi, c'est pratique. Hop. On va monter par là. Hop, par ici. La chasse sauvage. Par là. La chasse sauvage. Donc, ça va... On a le bas. Ah, mais. C'est là où on a commencé The Witcher 3. Souvenez-vous avec ce beau panorama. Bon, là, il fait nuit. Et c'est là où on avait dormi avec Yen. Enfin, on s'est douché avec Yen et on a fait des cochoncetés. Avec notre corps. Dernier vœu. Le nom d'une des nouvelles. L'opposition en Nilfgaard, oui. Les petits coffres Rounet. Et on peut remonter encore un peu plus haut. Allons-y. Allez, plus haut. Oui, non, c'est par ici qu'on avait... Ah ben, il nous reste encore un lit. Ah ben, voilà. Là, on va pouvoir s'entendre avec Yen. Ah, coquine. Il n'y a rien sur le balcon, on n'a pas vérifié. Y a-t-il quelque chose? Non. Bon, c'est parfait. On peut dormir un petit peu le temps de... On va s'endormir un petit peu le temps qu'il fasse jour, parce qu'on va pas se balader en pleine nuit à courir après les créatures, faut pas déconner. Méditation. Touk 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 touk. Jusque de bonne heure le matin. Voilà. 4h du matin, le soleil vient de se lever, on y va. Mon ami Jikore. Peut-être sauvegarder, ça fait longtemps qu'on n'a pas sauvegardé. Voilà. Allez, on y va. La schrumpf, la. ABS, airbag. Conduite assistée, le nouveau Witcher à vendre chez le marchand de journaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Des tonneaux. Ah non, c'est où ma tourman? Ah ben notre fameuse réserve à plein de trucs. On va y ranger du coup, ben, plein de trucs. On va y ranger ça. Je vais garder mon pantalon. Ah on a, ben non, changeons-nous. Allez, on va essayer de se changer. Allez Geralt, on va changer un peu ta tenue.
C'est l'occasion, on vient de changer de zone. Alors ça, ça donne quoi? Ouais. Avec ça. Ouh là 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 là. Oui. Mais je suis pas très fan. C'est peut-être la couleur, hein, je sais pas. La brigandine, t'allais un peu mieux hein, à côté de ça. Oh là là. Pantalon de Guzarmier, à la rigueur. Et ça. Bon, ben en orange, hein. On va être mignon comme ça, moi je vous le dis. Hein. On va être mignon. Oi, 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 oi. On est mal, patron, on est mal. Non, mais en bleu, c'est la fête. Hein. C'est la fête au village. Bon, on va faire dans le moins efficace, mais dans le moins moche. Hein. Soyons fous. Il est quand même moins charmant que ton perso dans Saints Row. Après, je dis ça, je dis rien, disait-elle ça. Ah, j'avoue. Bon, allez, vas-y, en bleu. Oh là là, mais quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. On n'a rien dans le coffre? Eh, coffre, ouvre-toi. Non, non. C'est sûr que c'est pas avec ça qu'on va avoir des meilleures armures. Non, moins 79. Oui, non, c'est pas mieux. Armure de Kaer Morhen. Bon, c'est vraiment affreux. Hein. Bon, bah tant pis. Non, c'est pas ce que je veux, monsieur. C'est l'inventaire. Ouais. On est très fashion. Hein. Bleu et orange. On est ultra fashion. Et elle a quoi comme caractéristique au moins, cette pantalon? De la vitalité, de la résistance à certains types de dégâts. Et ici... des résistances à certains types de dégâts, mais de manière assez limitée. Ok. C'est pas ça, c'est ça. Voilà. Bon bah écoutez, on va être bien en bleu et orange. Hein. C'est très très moche, mais on va s'y faire. Hein, ça va être original. Qu'est-ce qu'on a ici? Orange, lame lunaire. C'est une relique. Celle-ci, elle est en vert. C'est une... équipement de sorceleur. Ah bah oui, d'accord. Croix d'azur. Relique aussi. Tant pis pour le bonus en or. Hein. On va faire dans l'efficacité. On va équiper tout ça. Avec des pierres. Valet supérieur, 5% intensité des signes. Je prends. Pierre unique de Jabok supérieur. Chance d'infliger incinération. Je prends. Alors, chancellement, non. Adrénaline, non. Gel, non. Bah, allez, chancellement. Parfait. Ensuite, niveau armure. Qu'est-ce que l'on nous propose? Glyph d'Irden, non. Queen, non, tu queeneras tout seul. Queen, je queen. Hein. Axie supérieure, non. Intensité de signe de hard, oui, je prends. Qu'est-ce qu'on a ici? Igni, oui, je prends. Et on est au taquet, voilà, ça y est, bon, bisous. Bisous, bisous. Et on va ranger dans le coffre les anciennes armures qu'on avait appréciées. Hein. Celle-ci, adieu. Celle-ci, adieu. Celle-ci, adieu. Et le reste, bon, on pourra joyeusement, tiens, ça aussi, hop. Le reste, on pourra joyeusement se le mettre ou on peut se joyeusement le donner, hein, le vendre. Et voilà. Geralt, tenue fashion orange et bleu. Voilà, c'est particulier. Tiens, une goule. Ah mais c'est formidable. Allez, on va trouver Lambert. Et on y va, et on va lancer la quête. Tout est paré de mon côté. Eh ben moi aussi, je me sens prête. Allons-y. Allons-y sans plus attendre. Ah, j'oubliais. Impossible de rallier le cercle par la montagne. Un éboulement a condamné le col au printemps dernier. Il va falloir approcher par l'étang. Comme pour l'épreuve du médaillon. Tout juste. Tu te rappelles le chemin? Difficile de l'oublier. Celui qui reviendra avec son médaillon aura prouvé qu'il était digne de s'élancer sur la voie. belle imitation. Vézémir, t'as déjà entendu l'imiter? Ouais. Le vieux ne supporte pas. La brèche de Savola. Toujours pas réparée. Vézémir râle, mais moi, elle me dérange pas. Ah oui, c'est une brèche qui a été faite par lui. Et ça me fait un raccourci vers les temps. C'est dans 8/1 que cette brèche a eu. Les assassins de la salamandre n'aient pas percé quelques trous de plus dans nos murs. Ou fini leur besogne en réduisant cette ruine en miettes. Et oui, c'est au cours de Witcher 1 qu'il y a eu ce trou de feu dans nos murs. Dis-moi, on va traverser à la nage? Non,
J'ai un bateau amarré. Par une grosse créature. Pour la pêche. Oh, c'est beau. Pêcher. À la bombe. J'en largue une et je récupère tout ce qui flotte le ventre en l'air. Je comprends mieux. Vous êtes sérieux? Pêche à la bombe, c'est savoureux. Oh, c'est fantastique. C'est chouette, hein, c'est vraiment chouette. Regardez-moi ça, quoi. Ces paysages, c'est bluffant, quoi. Ah oui, Kermorren, c'est magnifique. Je suis d'accord avec toi, Ulgulk. Hein. C'est magnifique. Oh, une petite chute. Tahiti. Je vois que vous avez exploité la brèche à votre avantage. Oh la vache, une petite ségue, elle a bien poussé. Ça existe, hein, la petite ségue dans les bords des chemins. Et comme son nom l'indique, ben, c'est de la ségue, hein, c'est mortel. À force de concentration. Alors. Mais qu'est-ce qu'elles ont les biches? Oh dis donc, c'est un zoo ici ou comment ça, qu'est-ce qui se passe là? Tiens, je vais voir sous la cascade. Ah, il y a que dalle, je suis déçu. Bon, moi, on s'est lavé. Alors, on va choisir le bon signe. Hein. Oh, elle est belle notre épée en fuchsia. Alors, je vous rappelle, hein, on a un pantalon bleu, on a un haut orange et une épée fuchsia. Tout va bien. Ah, un peu de couleur dans ce monde de brutes. Allez, harpique. Harpique gel. Merveilleux. Ah, qu'elle pue encore. Bah t'inquiète, maintenant qu'elle est morte, elle puera beaucoup moins bien. Elle était pleine, elle a fait des œufs. Hop, au passage, hein, on pisse qui est à piller. Hein. Soyons fous. Merveilleux. Bon, après le déchet de Toussaint, c'est quelque chose aussi, hein, niveau Gulk, c'est vrai. Oh, j'ai hâte d'y aller alors. Mais là, oui, il faut que je me magne, on est bientôt au mois de juin. J'avais dit qu'au mois de juin, on attaquerait les. Ça serait l'idéal l'été pour aller au duché de Toussaint, quoi. Enfin, je me dépêche un petit peu. Mais du coup, Mass Effect va passer à la trappe, hein. Il n'y a pas moyen que ça fonctionne, donc tant pis. Quand ils auront résolu leurs problèmes, on continuera, hein. Bisous. De Vesemir. Oui. Les choses s'arrangent entre vous? Quoi, ils sont apparemment. Le vieux a cessé de me faire la morale. Et j'essaie de ne pas le fâcher trop souvent. Et ça fonctionne? Sans plus. Mais le château est vaste. On ne se marche pas sur les pieds. Ouais. Le doyen est donc le chef de l'école du loup. Vesemir. Et l'autorité sur tous les sorceleurs de l'école du loup. Ou bien un chef partout. Carte du monde. Ah, bon, on arrive au lac. Cabane du lac. Bonjour, petite cabane. Elle a un peu défoncé votre cabane quand même. Mais bon, je l'ai pris. J'étais sûr de l'avoir amarré ici. Eh ben, c'est raté. La mare a dû se détacher. Tu crois? Je dirais plutôt que le bateau s'est détaché tout seul pour aller faire un tour. Avec ce brouillard, jamais on... Un orage a eu lieu avant mon arrivée? Attends, oui, il y a 5 jours. Le vent a dû gonfler la voile, tirer sur la mare et faire dériver le bateau dans les buissons. Super, maintenant on a trouvé un bateau. Bon, vas-y, cherche le bateau, moi je pille. On se partage les tâches équitablement. Le père Lambert, on l'a pas vu depuis The Witcher 1 quand même. Hein. Un panneau de téléportation. Ouh, des jonques. Oh, de la mousse. Oh, ben voilà, on l'a trouvé. Lambert, j'ai trouvé. Ah, mais il s'est barré, Lambert. Mais dis donc, t'embête pas, Lambert. Où s'en va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as vu encore?
Oh, des noyadés, ils sont mignons. Ça pique. Bon bah ça marche pas trop. Hop là, c'est mieux comme ça. Alors mange une petite pomme. C'est extrêmement agile ça, ce machin-là. Meurs. Quelle mise à jour aquatique. Les profils. Génial. Comme si on avait besoin de ça. Ah, une gunoude. Ils sont vraiment partout chez Noyeur. Oui, t'as vu. Ah, j'ai de la boue partout, je vois plus rien. Voilà. Non mais où? Vieille gonode. Bien. L'entrée de la caverne est juste en face. Tu la vois? Il suffit de franchir l'étang, de traverser la grotte, puis d'escalader la tête de troll. Après toutes ces années, ça ne paraît pas si terrible. Non. Mais j'en frissonne quand même. Tu sais que de mon groupe, seuls deux gars sont revenus. Ah, quand même? C'est bien le fameux groupe qui est tombé sur le vieux fer de lance dans les cavernes. Ça tourne toujours? Tu veux qu'on en parle? Ça te tracasse toujours? Me tracasser? Non, ça me met en rage. À quoi bon cette foutue épreuve? De ceux qui sont revenus du cercle des éléments, la plupart sont morts l'année suivante dans un marigot à chasser le noyeur pour quelques couronnes. À quoi ça a servi? Demande à Vézémir. Oh, je l'ai fait. Et souvent, tu peux me croire. Allez, saute dans le bateau. Allons-y, saute dans le bateau. Il est toujours torturé, hein, ce petit Berengar. Il croit à moitié à ce qu'il fait. Parce que... Parce que c'est mon bateau. C'est non négociable. Ah. Attends, d'abord, moi, je pille, hein. T'es mignon, je récupère les loot. Hein. Par contre, je comprends pas, Yazels. Pourquoi dans les jeux, tu n'as pas une chance qu'un oiseau te chie dessus? Ben, je sais pas, j'avoue, c'est scandaleux. C'est terrible, hein, quand même. On n'a même pas cette chance de pouvoir se faire chier dessus par un oiseau, quoi. C'est terrible, hein, je pense qu'il faudra le demander aux développeurs, hein. Un jour, peut-être, hein. Alors, on discute. Roi, et je pisse, hop, une petite chure de pigeon sur le front pendant qu'on discute, hein, ça peut être sympa. J'imagine bien le truc. Ouais, essaye de monter. Hop là. Avance, vieux feignasse. Faut que je m'assoie maintenant. Asseyons. Oh là, j'espère qu'il conduit bien. Hein. Vous savez, c'est comme les bateaux de Disneyland. Bateau, ça va tout seul. C'est toi qui l'as fabriqué. Vous n'êtes jamais trop sûr que ça va tenir debout. Y a un problème? Hormis l'eau jusqu'aux chevilles? Aucun. Arrête de râler. Il nous mènera sur l'autre rive. À condition de ne rien heurter. Je distingue à peine le bout de mon nez. En effet, on voit que dalle. Dans Fable 2, nous dit Wulgul qu'il y en a un qui te chie dessus. Ah, j'ai pas joué à Fable 2. Aussi épais que la peau sur le lait. Quel poète tu fais. Et infameux encore. Tu veux entendre un épigramme? Je t'écoute. Lambert, tu me désespères. Pas mal. Ils aiment bien s'en mettre plein le nez. Perso, j'en connais deux ou Diazels qui ont reçu une merde de goéland durant une pause. Affale un peu la voile pour prendre le vent. Oh mince. Pas un vieux sage. Ah, puis des goélands, ça doit pas être des petites merdes de pigeons, quoi. Ça doit être des bonnes. Bien. C'est pas mal ça. On est presque. Tu révises et pouf, une bonne fiente sur ton cours. C'est ta feuille de cours que tu révises. Allez hop, au revoir la fiche synthèse. Et la mode qui s'en va en riant. Ah. La grotte. La grotte des RPS écorchés. Prêt pour les grottes? Ah oui, volontiers. Presque. Avant d'entrer, je sais. Boire une gorgée de chat. D'autres conseils à viser? Du type gare à ne pas réveiller le vieux fer de lance. Gare à ne pas réveiller le vieux fer de lance. Tu es pire que Yen. Tu es pire que Yen. Oh là.
Ne tombe pas amoureux de moi. Allons-y. Ah, au secours. Drôle de voix. Tu entends? On dirait un gamin. Ouais, mais c'est spectral. C'est comme moi qu'on est les seuls habitants de cette vallée. Il s'agit sûrement d'une illusion. Et dans le cas contraire... Ah, ah. Comme tu veux. Là, je ronfle, là. Grosse décision, on meurt ou on meurt? Le Gluck nous dit, espérons que, qu'un jour Fable 2 sorte sur PC, vu qu'il y a plein de jeux consoles qui vont sortir sur PC plusieurs années après leur sortie. Oui, ça sera bien. Ça serait une anomalie de réparer, parce que moi j'aimerais bien jouer à Fable 2, il paraît qu'il est très bien. J'ai aimé Fable 1, j'ai aimé Fable 2. Fable 3 était un peu différent, mais il fallait bien finir la série. On devrait aller voir juste au cas où. Allons voir, par acquis de conscience. Vesemir a raison, tu sais. Tu fourres toujours tourner partout. Bon, très bien, allons-y. Ah bah c'est pas pour rien quoi, qu'on a failli provoquer la mort du roi Foltest, qu'on s'est retrouvé dans des guerres pas possibles. Qu'est-ce qui se passe par là? Si nos sorceleurs indiquent que c'est par ici. Ah, c'est un vrai garçon. Hé, hey, petit gars. Sa voix est bizarre. C'est un spectre. Tu n'as plus rien à craindre. Non, à l'aide. D'accord. J'admets que tu avais raison. Eh bien, ça c'est une première. On verra ça plus tard. Occupons-nous d'abord des bons. Oh, mais comme par hasard, il est juste derrière nous, quoi. Coucou. Ah, pendant qu'il brûle, on va taper. Oh, il y a deux brumes là. C'est quoi, c'est une colonie? Oh, non. Je ne suis pas fan, on vous l'a pas dit? Oh yeah, brave Jean. L'heure du jambon a sonné. Hop, pour le re... On va essayer de le brûler. Non, je suis pas là. Non. Je ne suis pas d'accord. On vous l'a pas dit? Non. Je crois que grosso modo, il a pas trop aimé. Hein. Non, pas dans la flotte, c'est une grosse connerie. Non, Geralt, fais pas le fou. Mais pas dans la flotte. Mon ami la flotte. Oh bah viens, on vient d'en détecter un. Il veut pas prendre feu lui. Voilà, un c'est gérable. Mais comment ça se fait qu'ils ont 15 000 là? C'est quoi ce bazar? Allez hop. Une illusion. Il eut cru. Tu n'es pas prêt de lâcher le morceau, hein? Le 1 de vital, oui, tu m'as dit. D'ailleurs, le monde entier devrait avoir vent du fait que l'illustre Geralt de Rive s'est fait berner comme un mioche. Jasquier pourrait peut-être en tirer une balade, qu'en dis-tu? Ce sont des exploits qu'il devrait chanter. Mieux valait s'en assurer. Oui, mieux valait s'en assurer, on sait jamais, des fois que ce soit un gamin. Ah, le fameux 1 de vitalité. J'étais convaincu qu'on était mort, mais pas du tout. C'est un miracle, hein, quand même, pour le coup. Quand une vie est potentiellement menacée, mieux vaut s'en assurer. Ah oui. Assez parlé de ça. Bien sûr. Le valeureux loup blanc n'abandonne jamais une âme en peine. Ben non. C'est plus un saint qu'un sorceleur. Oui, ben voilà. Pour changer de sujet. Saint loup blanc. J'avais vu juste. Ce garçon, c'était... Ouais, c'était l'un des nôtres. Sûrement noyé pendant l'épreuve du médaillon. Et Brumelin se rappelle sa voix et son apparence. Charmant. Fichons le camp d'ici. Plutôt deux fois qu'une. Surtout que j'étais vraiment pas chaud pour venir. Lambert, ça suffit. Lambert, ça suffit. Pauvre Lambert. Exprime un avis, on le rembarre. S'il vous plaît, Lambert, ça suffit. Mais pour le bébé, Lambert, ça suffit. Gérald.
Avance, Josen. Oui, oui, bah avance, Josen. Avance, truc. C'est bien, on l'appelle Lambert. Pendant un temps, on l'appelait Lambert. C'est un peu compliqué. Voilà, ça fait d'XP, hein, on est content. Voilà, une potion de chat. Un fond de terre. Potion. Potion de chat améliorée. Yeah. Et on consomme. Et nous y voilà, oh, champignons. Alors, celle-là, on les mange pas nature, hein. C'est des, genre, des ingrédients alchimiques. Gérald. La boîte à Lambert. La boîte à Lambert, oui. La fameuse boîte à Christopher Lambert. Oh, des squelettes. Qui dit squelette dit. Des os. Pulvérisés. Non, argent. Toujours aussi accueillant, le vieux fer de lance. Y'a pas d'argent dessus. Des os. Pulvérisés. Bah, c'est scandaleux. Toujours aussi accueillant, le vieux fer de lance. T'as vu. Bon, bah, tant pis. Laissez-moi passer. Après l'an 1, après l'an 2, voici Lambert, nous dit Azels. Voilà, le seul, l'unique. Bouge pas. On peut utiliser ça. Mais je veux pas le cibler, lui. Je veux cibler ça. Ah bah d'accord, ça bouge pas. On est censé passer par le... Hop. Mais allez, ramasse-moi ça. Ah, hein, juste pour ça. Mais c'est scandaleux. Oh, c'est lamentable. Oui, c'est ça. Je vais vous les monter. Merde. C'est trop haut. C'est la courte échelle. Bah si je te fais la courte échelle. Ben voilà. Ça faisait partie des épreuves. Le sorceleur est un chasseur solitaire. Mais même un chasseur solitaire a parfois besoin d'un coup de main. Vézémir. Ouais. Ouf. Espèce de gros lard. Oh bah dis donc, j'ai mangé qu'une soupe. 1, 2, 3. Je t'en tiens pas. J'ai pas franchement un poids plume non plus, je te signale. Allez, viens. On dirait des frères, ça n'a pas semblé plein de nez. Un grand classique entre frères, hein. Mais bon, ils sont pas frères, hein. Ils ont juste grandi ensemble. À l'école des sorceleurs, forcément, parce qu'il faut pas être sorceleur que gamin, hein. Pas devenir sorceleur une fois. Oui, on n'a pas l'air solide. Un petit coup d'arde. Ah bah si tu le dis. On risque de réveiller ses frères de lance. Du calme. J'ai glissé. T'as aimé ce petit coup de hard ou... Un petit coup de champignon. Des champipi, des chiens, gnognon. Y'a pas besoin du signe de hard, hein. Hop. Des chiens, gnognon, des champipi. Mince, la potion ne fait plus effet. Ah non, pas carte du monde. Inventaire, y'a inventaire. Une potion. Potion. Ah si. Alors bois un coup, par contre l'intoxication va monter un grand coup. Ah non, ça va, c'est léger. Ah. Quelque chose m'est tombé. Des os. Pulvérisé. Toujours aussi accueillant, le vieux fer de lance. Ah, j'ai eu peur qu'on vienne de faire au point de départ, mais en fait non, pas du tout. Je crois qu'on a trouvé notre cher ami. Non. Oh, hey, Gisèle. Cette odeur de moisi. À quoi t'attendais-tu? Un parfum de violette? Eh ben pourquoi pas. Pourquoi pas un parfum il de violette? Il est si mignon quand il dort. On voudrait presque qu'il ne se réveille jamais. Oui, bonne idée. Hein, on va re-sauvegarder hein, pour être certain de ne pas mourir. On va lui mettre le feu aux fesses. Traverser la caverne.
Comment ça? Ils veulent que je descende par là? Je comprends plus là. Bon, à traverser. Y'a quoi là-bas? Je suis curieux. Ouh, intéressant. Intéressant. Il y a des choses. Du coton. Mais chut, tu vas réveiller l'autre machin. De la brionne. Oh, un coffre. Ouh, ça valait le coup. Oh. Ah, ça valait franchement le coup. Ça va s'en revendre une somme considérable, ça. Oh, parfait. Ah, des squelettes qui produisent des sous. Je ne suis pas contre. Et... Eh bien, pareil ici. Perdu l'effet de surprise. Oh. Oh, punaise. Brûle. Oh, je crois qu'il s'en fout en fait. Oh, ça pique. Youlouloulouloulou. Tintintintintin. Fouillez. Je ne suis plus disponible sexuellement, et vous? Plus de problème. On a su faire de l'enf. Au moins c'est réglé. Tu vas survivre? Probable. Fous ton camp d'ici. Attends. Ça, c'est pour Voltaire, salopard. Oh, un coup d'épée serait mieux, quoi. Voltaire, qui est-ce? Voltaire, qui est-ce? Un écrivain. T'as oublié? Un petit gars avec une cicatrice au menton, ici. Ah oui, ça me revient. Le pauvre n'en est jamais ressorti. Allons-y. Alors, on va récupérer notre loot. Voilà. Ah super, c'était un cyclope du coup, ce fameux monsieur. On va juste remettre une potion, histoire qu'on puisse sortir en toute quiétude, hein, sans avoir à tâtonner les murs. Ce sera mieux quand même. On va tout fouiller partout, tout partout. Des champignons. Mais vas-y, fais pas ta feignasse. Allez, monte. Ah bah si j'avais su, j'aurais pas pris la potion. On va être complètement aveuglé. Oh. Content d'être à l'air libre. Ah, c'est beau. Kermorène en... Ennui, au fond. Droit devant. Ces trolls, là? Les ennuis sont pour eux, pas pour nous. Tu essaies de m'impressionner? Qui essaies-tu d'impressionner? Le coup du gros dur, ça ne marche pas avec moi. C'est la meilleure. Vesemir m'a raconté le tour que tu as joué au Nilfgaardien de Velen. Que faites-vous? Je tue des monstres. Attendant. C'est sorti tout seul. Allons-y. C'est sorti. Comme tellement de choses. Alors là, par contre, on peut prendre une potion qui annule les effets des autres potions, parce que là, on est complètement aveuglé. Inventaire. Est-ce qu'on a une potion qui annule l'effet des autres potions? Sinon, on va devoir attendre. Compte à maudit sur non. Miel blanc. Voilà. Miel blanc. C'est la potion qui annule les autres potions. Parfait. Et c'est réduit l'intoxication à zéro. Ben voilà, allez au cercle des éléments. Hop, on continue. On y est presque. On est où sur la map là, qu'on regarde un petit peu? Carte du monde. Ah, on approche, hein. C'est des zones qui seront inexplorables, j'imagine. Par là, ça sera la limite du monde, on pourra pas y aller. Site d'énergie, nouveau marqueur, hein. Ha, il a vu détaler dès qu'il nous a aperçu. Oups. Drôle de comportement pour un troll.
interagir. Comme ça, on va avoir un petit point. Un petit point de compétence qu'on va cache placer. Hop, personnage. Un point disponible. Non, 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 pas ça, non. Voilà, par là. On va développer, on va développer, on va développer. On va développer dans ces signes de hard niveau 5. Ça y est, comme ça, on l'a mis au niveau maximum. Encore 4 points à dépenser qu'on dépensera ici et on pourra avoir les sorts ultimes. Onde de choc et domination. Domination. Signe d'Axie. Axie peut affecter des adversaires simultanément, mais la puissance de l'effet diminue de 50%. D'accord. Intéressant. Voilà. Allez Christophe, on avance. Nous sommes attendus. J'ai même pas pillé les plantes. Oh, c'est chouette. Tu vois le paysage derrière? Oh, c'est magnifique. Oh, c'est superbe. Oh, c'est magnifique. Oh, oh la grosse montagne. Oh, c'est magnifique. Oh. Chancelier. Plus bouger. Halte. Eh oui. Ici, montagne. C'est troll montagne. Montagne des trolls. Hein? Ah ouais. Montagne des trolls. Oh. Je te laisse causer à ces abrutis. Ah ben non, tu vas voir, on va réussir les. Nous cherchons juste à aller au cercle. Du calme. On va les raisonner. Nous voulons simplement aller au cercle. Sorcelier dire truc 1 et faire truc 2. Même truc 3. Des fois. Bon, ça suffit. Poussez-vous, les débiles. Je vous pulvérise, c'est compris? Pas bon plan. C'était pas un bon plan. Ils ont parfaitement compris. Bravo à toi. Fonçons dans la caverne, avant qu'ils nous caillassent à mort. Ah bah bravo, maintenant on va se faire caillasser à mort par des trolls. Oh, tout est bien. Des fois qu'il y avait un truc, mais il y avait rien du tout. Oh bah bravo, on aurait pu les raisonner. Hein. T'es pas dû, Lambert, quand même. Hein. Oh, c'est Lambert, quoi. J'arrive pas à passer. J'essaie de contrôler une plante ou comment ça se passe, moi? Ah bah oui, non, je suis bête. C'est mieux. Là, je comprends, là. Voilà. Y'a rien ici. Hein. D'accord, non, y'a rien. Oh oh, rebonjour. À 11h du matin, on va finir en déjeuner. Ah, ils sont trois en plus. Nous jeter pierre. Vous allez rien du tout. Sorcelier, bien comprenu? Bien comprenu. Mais nous devons quand même aller au cercle des éléments. Ah, pas bien, petit Meg. Troll pas les châteaux sorceliers. Oui. Beaucoup cailloux ici. Joli caillou. C'est comme bavardage. On n'avance pas d'un pouce. Mais si, attends, bouge pas. Très juste, assez bavardé. Laisse-moi parler, d'accord. Et on va y arriver. Laisse-moi parler. Tu es aussi doué pour la négociation que pour la grammaire. On ne vous veut pas de mal. On ne touchera pas à vos cailloux. Laissez-nous simplement passer. Troll, lancez, cailloux. Sorcelier, pas tapis. Juste blablabla. Bla, bla. Sorcelier gentil? Ben oui. Trop bêta. Sorcelier, tu es monstre. Troll, monstre. Bah oui, pas faire grimace. C'est... sacrée discussion, ils débattent entre eux. D'accord. Vous laissez bâton qui coupe ici. Vous passez. Sinon, nous taper et faire mal. Entendu, on laisse nos épées, on viendra les chercher. Très bien. On laisse nos épées ici. On les reprendra en repartant. Nous pas vouloir. Métal porc.
niquer la bouche. Ah bah oui, si vous essayez de manger les épées. Ça va pas. Tais-toi et fais ce que je dis. Voilà, un choix pacifique. On a fait un choix. Le choix du pacifisme. Hop, on va aller là-bas. Vous croyez qu'il y a des trucs à piller là-dedans ? Aller au cercle des éléments, c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis on a essayé de Mahakam, alors on a pillé ce qu'il va piller là-dedans. Ah, je crois qu'ils n'ont pas apprécié que je les pille. Bon, à charger. C'était un essai hein, pour voir s'ils apprécieraient ou pas, ils n'ont pas trop. Ils n'ont pas spécialement apprécié. Sa longue quête amena Geralt à conclure combat, l'homme le plus. En plus, il n'y a pas grand chose à piller chez eux, hein. c'était pas fou ce qu'il va apprendre. Déterminé à rompre le charme, Geralt conduisit Uma dans la demeure des plus éminents spécialistes en sortilège, la forteresse des sorceleurs. Eh oui. Kaer Morhen. Oh oui. Pas tapé, mais pas pillé non plus au niveau. Ah oui, mais il n'avait pas précisé dans le règlement, le monsieur. Oula, c'est quoi, c'est une chorégraphie? Ah oui, on avait dit papy, pas touché caillou. Pardon. Si je me souviens bien les leçons de Papy Vesemir, les sorceleurs tuent les monstres. Ta mémoire te joue des tours. Ils ne tuent que les monstres hostiles. Ils nous lancent des pierres, Gérald. Va te plaindre auprès d'Eskel. Voilà. Oh, c'est magnifique. Donc on pourra même pas piller les. On pourra se la faire offrir, hein, l'épée. Bonjour, on vient troquer joli caillou qui brille enfin, contre. Nous y voilà. Ah, pas on voit la forteresse de Kaer Morhen ici, et la tour derrière. Bon sang, quel panorama. Sacré compliment venant de toi. J'imagine si tu l'as remarqué. Geralt, pour qui tu me prends? Mais voyons, pour le grincheux de service. Dans le mille. Mais garde le reste des compliments pour plus tard, on a du travail. Tu te rappelles comment fonctionne le cercle? Ça fait un bail que je n'ai pas utilisé mon médaillon ici. Inutile de t'en excuser, vieille branche. Allume les torches et place le phylactère sur l'autel. Je me charge du reste. Ok. Faut rien piller, donc tant pis. Comment est-ce déjà? L'eau, puis la terre, puis l'air. On l'allume en mode violon, hein. Voilà. Eh l'emmerde. Geralt. Oui, quoi? Il y a un truc que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai rien oublié. Si? Non? Oui? Peut-être? Ah oui, placer les phylactères sur l'autel. Bah oui, forcément. Ah, disons, c'est charmant comme coin. Voilà. Phylactère en position. Il ne reste plus qu'à attendre. Il va absorber la puissance des éléments. Pendant qu'on fait une pause. Oh la feignasse quoi. C'était un essai. Oui, bien sûr, Munin, monsieur Tazels. Oui. Bien. Sympa la pause. Alors, comment t'es-tu débarrassé des trolls pendant l'épreuve du médaillon? Que je me souvienne. Ah oui, le signe d'Axi. Mais je n'ai eu droit qu'à un seul troll. Les deux autres étaient occupés. Ouais. Utile, le signe d'Axi. Il m'a sauvé la vie il y a peu. Taxi! Ah pardon, je me suis gouré de signes. C'est pas le même signe. Utile et dangereux, le signe d'Axi t'a sauvé la vie comment? Je sens venir un récit intéressant. L'un des meilleurs. Je me fais rançonner par deux brigands. L'un me tient en joue avec une arbalète, pendant que l'autre farfouille dans ma besace. J'ai forcé le premier à tirer sur son comparse, puis à se pendre. Quoi? Tu n'étais pas obligé de les tuer? Tu n'étais pas obligé de les tuer. Mais j'en avais le pouvoir. Deux étrons de moins sur cette terre. Tu parles d'un drame. Dis-moi, tu as toujours été un fumier sans pitié. Ça c'est direct. J'étais même adorable avant que Vesemir m'amène à Kaer Morhen. Tu disais, à ce point-là, être sorceleur, oui, bah, clairement, il l'a déjà dit à l'époque de The Witcher 1. Selon toi,
C'est si moche d'être sorceleur. Non, oh, j'aurais pu finir plus mal. Je regrette seulement de ne pas avoir eu le choix. C'était notre destin. Le destin ? Laisse-moi te dire ce que j'en pense. Après quelques verres, mon ivrogne de père nous cognait sec, ma mère et moi. On a prié pour qu'il meure nuit après nuit. Un jour, nos prières ont failli être exaucées. Le père s'égare en sortant de la taverne, et voilà qu'il tombe sur un nid de Necker. Mais un sorceleur lui sauve la vie. Devine ce qu'il a demandé en échange. Toi, c'est comme ça que les sorceleurs faisaient leur nouvelle recrue. Donne-moi la première chose que tu vois en rentrant chez toi. Ma vie. En échange de celle d'un vieux salaud. Si c'est ça le destin, je l'emmerde. Je l'ignorais, c'était pareil pour nous. Hein. Je suis désolé. La prochaine fois que tu spéculeras sur mon amertume, tu auras ta réponse. C'est pour ça qu'on estimait que les sorceleurs enlevaient les enfants, parce que la plupart du temps... Tirons-nous d'ici. C'était un peu exagéré. Quand la personne n'a pas le moyen de payer, du coup, il prenait en nature, donc c'était généralement des enfants, pour en faire des recrues, des futurs sorceleurs. Évidemment, personne ne voulait devenir sorceleur, devenir infertile. Récupérons nos armes. Foncer vers une mort certaine. Un sorceleur sans épée, c'est comme un homme sans bras. Une vie dure. Tu l'as dit, mon frère. Geralt, lui, il est fils d'une sorcière, et pareil, il a été donné. Par contre. Sorcelier, reprendre bâton pointu et rentrer maison. Merci, dommage qu'on n'aura pas l'épée. Inutile de nous le dire deux fois. Viens, Geralt, on s'en va. J'espère qu'il nous récupère comme on était. Oh, t'as beau tête. On peut résoudre ça si tu veux. Par devant, je vais rester un peu. Non, non, oui, on rentre au château. Bon, rentrons. Après vous, messire. Ah. Quelques heures plus tard, mais non, bon, de feignasse, quelques heures pour rentrer au château, faut le faire quand même. Et voilà, la chasse au fenard. On a fini cette quête-là. On a fini une quête. Voilà, on a mis à jour le panneau de Lambert. Alors on en apprend un peu plus sur d'autres personnages. C'est une façon de boucler la boucle. On en apprend un peu plus sur un des personnages majeurs qu'est Lambert. C'est ainsi que The Witcher 3 clôture, vraiment boucle la boucle par rapport à The Witcher 1, toute la trilogie. Et du coup, il nous reste encore quelques quêtes à faire. Il nous reste encore deux quêtes exactement à faire. J'ai dédaigné à faire mon épée. On va remonter hop dans la salle pour que Geralt prenne pas froid pendant les quelques jours qui vont nous séparer. Hop. On poursuivra la session vendredi soir. Demain, mardi soir, on se retrouvera pour du jeu de stratégie. Mercredi, il n'y aura rien le soir, ça sera uniquement en après-midi, 17h-20h, parce que le soir je reçois. Et ce sera sur Planet Total War, ce sera Medieval 2 Total War, le mode The Elder Scrolls Total War, la campagne Orc, que je terminerai de 17h à 20h sur la télé de l'enseignement Total War Studio, Planet Total War. Et on se retrouvera ensuite jeudi pour de la stratégie, enfin vendredi. On reviendra du coup sur The Witcher, Wild Hunt, puisque Mass Effect ça m'a l'air bien compromis. Et on aura bouclé la semaine. Samedi, on m'en retrouvera, mais en après-midi, de 14h à 17h, sur la TV d'Actu Gaming, sur du Fallout 4. On m'en retrouve également demain, 16h-18h, sur Dungeons 2, sur la TV d'Actu Gaming. Voilà. Voilà pour le programme. Il va y avoir de quoi faire. On va laisser Geralt ici jusqu'à la fin de la semaine. Je vous souhaite à vous une très bonne semaine. Passez une bonne semaine de cours, de travail ou de repos, pour ceux qui ne travaillent pas. Et bien, que vous dire? J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Des gros bisous, partout. On se retrouve. Pareil, hein, Twitter, Facebook, chimunien.com si vous n'aimez pas les réseaux sociaux, comme ça on se tient au courant. Et puis pour voir les rediffs, c'est sur ma YouTube. Tapez munin_08 ou bien tapez encore chimunins. Vous finirez par me trouver, c'est pas compliqué. Que ce soit sur des jeux de stratégie, Crusader Kings 2, Europa Universalis 4, Bataille pour la Tour du Milieu et bien d'autres. Ou sur du jeu roleplay, les rediffs de Fable, les rediffs des The Witcher et les rediffs des Mass Effect. Ça manque de prostituée, Kermorène, quand même, Diazels. Ouais, ça manque quand même sévèrement de prostituée. Attendez, on avait vu un truc d'autre côté. Avec un truc qui ressemblait à Geralt. On voyait pas trop parce qu'on était vachement près. Geralt qui se bat contre un serpent.
serpent, je comprends pas trop la scène. Je ne comprends même pas du tout la scène. C'est Geralt qui se bat contre des serpents, bien sûr, tout va bien. Tout va bien. Ils ont un peu picolé quand ils ont fait la peinture quand même. Hein. Bref. Et c'est vrai que ça manque de prostituées. Mais si tu veux, on a un petit Necker. On a une petite créature ici intéressante. Hein. J'ai envie de te faire des choses avec. Hein. Il n'y a pas de souci. Notre cher Lambert. Allez, on va se laisser là. C'était une bonne soirée, bonne soirée, bonne semaine à tous. Des gros bisous. Et à la prochaine pour une prochaine soirée en play. Ciao.